Bonjour Bonjour à à tous, tous, bienvenue à la bienvenue section numéro 2. Donc, je me présente, je suis coach Jackie et mon co-animateur, vous avez été Mathieu, je te laisse te présenter. Donc, Mathieu Le Sieur, je suis coach en productivité, donc avec la plateforme EduCarib. Mon rôle, c'est surtout d'améliorer, d'aider en fait les élèves qui sont inscrits sur la plateforme, les aider à améliorer leur productivité, leur méthodologie, leurs habitudes de travail de manière générale pour qu'ils soient plus efficaces aussi bien à l'école qu'à la maison. Donc aujourd'hui, ce live est dédié aux parents, mais aussi aux enfants, pour leur aider à s'en sortir et réussir leur scolarité. Donc tout d'abord, j'aimerais juste vous présenter pourquoi on fait cette Success Week. C'est dans le cadre de EduCarib, qui est une entreprise qui permet de promouvoir donc tout ce qui est formation dans la Caraïbe et de promouvoir aussi la réussite scolaire. Donc, elle a mis en place la prépa EduCarib. Tout à fait. Donc, alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a plusieurs acteurs qui, chacun de notre côté, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème commun dans notre façon d'aborder l'enseignement et l'éducation de manière plus générale. Et à travers la plateforme, eh bien, en fait, on essaie, entre guillemets, de toucher à tous les aspects, c'est-à-dire aussi bien les cours, donc modifier peut-être l'enseignement, avoir un enseignement plus personnalisé dans de meilleures conditions. Et également, ben, tout ce qu'il y a autour, la motivation, la productivité avec moi, l'orientation professionnelle, etc. Et le but de la Success Week, ben, c'est de montrer aussi un peu à tout le monde en fait que les solutions elles sont déjà là, sauf qu'on n'y pense pas forcément, on les connaît pas. Donc à travers ce dispositif cette semaine, on va mettre en avant les solutions que nous avons nous-mêmes soit créées, soit découvertes, et leur donner la visibilité afin qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Donc aujourd'hui on a quelques intervenants avec nous. On a, je te laisse Jackie les afficher. Oui, donc on va commencer par Bulle d'éveil. Bonjour. Bonjour. Donc, Bulle d'éveil, de ce que j'ai compris, c'est un centre de bien-être qui va d'abord travailler au niveau de la relaxation, donc des massages. Mais il y a aussi, c'est surtout cette relation entre le parent et l'enfant. Donc, pas uniquement l'enfant dans un coin, c'est vraiment la famille, afin de, notamment avec la méthode 3C, d'améliorer tout ce qui est donc concentration, attention, gestion des émotions, mais au niveau du parent et de l'enfant en même temps. C'est bien cela? Tout à fait. En fait, quand il y a une problématique scolaire, il y a aussi une problématique familiale qui peut être plus ou moins importante. Et le but, c'est d'aller réconcilier aussi l'enfant et le parent et puis de trouver des solutions pour travailler en famille. D'accord. Alors, nous avons également Entre Kids Runner. Si je ne suis pas trompé dans le nom. Non, c'est exactement ça. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Donc, ce que j'ai compris, c'est un centre de formation. Donc, il y a des formations en ligne et en présentiel. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est le mot compétences. Le but, c'est vraiment d'améliorer les compétences, pas forcément, pas exclusivement, j'ai envie de dire, dans le monde du travail, dans l'entreprise, mais de manière générale, pour que les enfants puissent être plus aptes à, on va dire, mener la vie qu'ils ont envie de mener. Exactement, c'est très très bien résumé. L'important pour moi aujourd'hui, c'est vraiment que les enfants et les jeunes, puisque je commence dès 9 ans, développent ces fameuses compétences de vie en fait. Ce sont des compétences qui sont indispensables dès que l'on souhaite mener un projet, parce qu'après tout, la vie, ce n'est qu'une succession de projets. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ben, on n'est pas en fait entre profs, on est entre, par contre, on est entre personnes qui travaillent sur l'enfant, entre guillemets, sur l'être humain. Dans la sphère de l'éducation, on utilise des outils différents, mais il y a toujours ce point commun qui reste, on va dire, l'épanouissement de l'être humain et plus précisément de l'enfant. On peut se mettre d'accord sur ça. Exactement. Oui. Alors, il me semble qu'on a un autre intervenant, s'il est déjà là. Non, il n'est pas encore là, donc ah. On va continuer en attendant qu'il arrive. C'est les petits aléas du direct. alors, le sujet du jour, c'est SOS, mon enfant ne s'en sort pas. Et là, on a choisi cette formulation parce qu'effectivement, toutes nos activités, tout ce qu'on fait,
à la base, ça répond à un problème, ça répond à un besoin. Donc, on a cherché avec notre sens naturel, notre façon naturelle de faire les choses, on a cherché la solution qu'on pourrait apporter à ce problème, la réponse qu'on pourrait apporter aux questions que les parents se posent. Et la question que moi j'ai pour chacun, alors je connais ma réponse, mais la question que j'ai pour chacun, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à créer cela? Quel est le problème que vous avez constaté à votre niveau? Quels sont les mots que vous mettriez dessus pour expliquer pourquoi vous avez choisi de lancer votre activité? Est-ce qu'on peut commencer par exemple avec bulle d'éveil? Alors, moi, le mot important, c'est le mal-être. En fait, j'ai constaté chez beaucoup d'enfants un mal-être à l'école et un mal-être au quotidien dans leur famille. Ce qui m'a poussée en particulier à le faire, c'est que mon fils était dans un mal-être incroyable. Il avait 3 ans seulement et la phobie de l'école. Donc, ça m'a poussée à développer des techniques pour qu'il puisse s'en sortir. Et de fil en aiguille, je suis arrivée à travailler avec pas mal d'enfants de différents âges et puis d'adultes maintenant. D'accord. Et du côté de entre Kidspreneur? Alors moi, ça a été plutôt au niveau des adultes dans un premier temps, puisque mes collègues, c'était ce manque d'épanouissement que je voyais de manière générale. Et mon déclic, ça a été la fameuse phrase « Comment ça va ?» Bah, comme un lundi. Le lundi matin où les gens sont jamais très bien en fait, parce que il faut retourner au boulot. Et on se rend compte qu'en fait, les gens ne sont pas épanouis parce qu'ils ne sont pas dans la bonne orientation de vie pour eux. Parce que quand ils étaient jeunes, quand ils étaient enfants, on les a un peu dirigés de fait, des professeurs, des parents, tout souvent des personnes bienveillantes, hein, mais sans prendre conscience de qui l'enfant est réellement au fond de lui, qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire, où il a vraiment envie de s'épanouir. Donc du coup, ça a été ça mon constat. Je me suis dit, il faut agir au moment où les enfants sont des éponges, ils peuvent acquérir de nombreuses compétences pour pouvoir demain être à la bonne place en fait. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est que pour être épanoui, il faut être à la bonne place, à faire ce pour quoi on est venu quelque part. Oh, c'est intéressant parce que c'est vrai que l'une des questions qu'on se pose en tant que parent, c'est qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce qui va vraiment augmenter ou améliorer l'épanouissement de l'enfant? C'est très facile en fait de partir dans les théories de la société, pousser l'enfant à respecter les obligations de la société, donc ce qu'on appelle le conditionnement extérieur, etc. Et on a toujours cette question, mais est-ce qu'on est sûr que ce qu'on fait est bien? Et ce que je trouve intéressant, et même parfois c'est là où il y a parfois même un conflit, un problème, c'est que je le remarque à mon niveau, lorsque je m'exprime, il y a des parents qui pensent que j'essaie de les culpabiliser, que je leur dis que ce sont de mauvais parents. Parfois, il faut pointer du doigt certains problèmes. On sait qu'il y a des failles dans l'éducation nationale, par exemple, il y a des failles à l'école, il y a des failles dans nos modèles éducatifs, donc c'est bien de les pointer du doigt, mais c'est toujours dans l'optique de montrer qu'il y a mieux. Sans pour autant dire que la vie, c'est comme ça qu'elle doit être menée. Et moi, je le vois, puisque effectivement, dans un témoignage, c'est d'abord une expérience personnelle, donc avec son propre enfant qui booste, qui motive la création de l'activité. Dans un autre témoignage, c'est une expérience avec des adultes et non pas des enfants, effectivement, de manière générale. Et moi, en fait, je me rends compte à mon niveau que j'ai vécu les deux, parce que avant, je donnais des cours de maths, et je me suis rendu compte que le problème, c'était pas les maths. La majorité de mes élèves, leur problème, c'était pas les maths. Le problème, il était en amont. Entre deux cours, ils travaillaient pas. Et pourquoi ils travaillaient pas? C'est parce qu'ils ne savaient pas comment travailler. Ils n'étaient pas efficaces, ils n'avaient pas de méthodologie. Donc, c'est là où moi, personnellement, je me suis tourné vers la productivité. Et ce qui est intéressant, c'est que, j'ai pas eu de résultats jusqu'au jour où j'ai décidé d'appliquer moi-même mes conseils. Tant que je présentais des choses et je les vivais pas moi-même, je me retrouvais à répéter ce que je trouvais un peu partout dans des livres, etc. Ça n'avait pas beaucoup d'impact. Et quand j'ai commencé à changer moi-même, j'ai réussi à, entre guillemets, changer mes élèves. Et c'est là où j'ai remarqué qu'il y a un autre obstacle, c'est les parents. Parce qu'il me semble que, voilà, Bulle d'éveil, ou même tout le monde d'ailleurs, mais Bulle d'éveil précisément, vous travaillez directement, vous travaillez également avec les parents. Et est-ce que vous trouvez plus facile de travailler uniquement avec l'enfant, plus facile de travailler avec l'enfant et le parent, ou plus facile de travailler uniquement avec le parent? Quelle configuration est optimale selon vous? Alors, d'expérience, j'ai essayé tout ça. Travailler uniquement avec l'enfant, ça fonctionne, mais ça fonctionne, on va dire, entre guillemets, parce que l'enfant, il va être bien dans la séance, il va faire les exercices, il va évoluer.
Et puis, s'il y a quelque chose au niveau de la famille ou des blocages qui vont se placer au niveau de la famille, ben, en fait, ça va dégringoler. L'enfant va travailler de son côté, mais le parent, il est en lien avec l'enfant. Donc, s'il y a une cassure, s'il y a quelque chose qui est brisé, je ne parle pas forcément de gros, de grosses cassures, hein. Ça peut être juste un manque de contact affectif, par exemple, parce que le parent, il n'en a pas eu dans son enfance ou parce qu'il y a eu certaines choses qui se sont passées. Bah, du coup, l'enfant, indirectement, même si on ne lui a pas expliqué, il va absorber tout ça. Et il n'arrivera pas à, à résoudre ce problème-là au sein de sa famille, puisqu'il c'est encore un enfant. Donc, c'est là qu'intervient le parent dans son travail personnel pour pouvoir faire grandir son enfant, tout simplement. C'est vrai que du coup, en fait, oui, travailler ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, ça propulse l'enfant de façon beaucoup plus rapide, on va dire. C'est vrai qu'on se rend compte que parfois, en fait, les parents veulent que l'enfant change. Et du coup, l'enfant change, mais pas la famille, pas ce qu'il y a autour. Et effectivement, sans vouloir faire culpabiliser encore une fois, mais parfois, en fait, ça représente un frein, un obstacle, parce que ben, tous les outils ne sont pas présents, l'environnement n'est pas en adéquation avec le changement qu'on essaie de créer. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, du coup, effectivement, de travailler avec les parents en même temps. Personnellement, parfois, je travaille uniquement avec le parent, surtout quand ce sont des enfants bas âge, parce que je me dis, le parent, il est là tous les jours. Moi, je vois peut-être l'enfant une fois par semaine. Vaut mieux que ce soit le parent qui répète ce que je dis plutôt que moi, je le répète chaque semaine. Et c'est vrai qu'on se rend compte que, j'aime bien le répéter, mais la personne qui est la plus présente, enfin, les personnes les plus présentes dans la vie d'un enfant, ce sont les parents. Et je pense qu'on peut être d'accord sur ça, peu importe les solutions qu'on propose individuellement. On n'est pas là pour remplacer le parent. Je ne pense pas qu'on ait la volonté de le faire. Il y aura toujours cette volonté d'améliorer, non pas simplement la vie de l'enfant, mais plutôt la vie de la famille, la relation entre le parent et l'enfant. Oui, c'est un accompagnement. Hein. Ouais. Maintenant, c'est... Comme tu dis, ce n'est pas culpabiliser parce qu'on a chacun nos histoires et on ne s'en rend pas forcément compte de ce qu'on donne à nos enfants. Donc, avoir un avis extérieur permet d'évoluer. Effectivement. Et la question maintenant, c'est comment ? Comment est-ce que, comment en fait, vous, individuellement, vous abordez ce, ce changement? Déjà, comment vous présentez le changement que vous essayez d'instaurer aux parents? Parce que ce sont les premières, même si le but, c'est d'aider l'enfant, la première personne qu'on rencontre, c'est le parent. La personne qui paye, c'est le parent. La personne qui s'inscrit, c'est le parent. Donc, comment, comment vous, vous présentez les choses aux parents? Alors, moi, de mon côté, le parent prend contact avec moi. On discute déjà de l'enfant, des problématiques, de ce qu'on, de ce qu'il a besoin de travailler et puis des soucis qu'il peut rencontrer et à l'école et à la maison. Mais surtout, la première séance, en fait, je la fais avec l'enfant et le parent ensemble pour qu'ils puissent voir déjà bah, qu'est-ce qu'on travaille, quels sont les exercices qu'on fait ensemble et puisque eux puis, peuvent faire à la maison. Parce que, voilà, comme on disait tout à l'heure, l'enfant va venir travailler, mais... le parent, si à la maison, il est complètement fermé à ça, mais ça ne servira à rien du tout. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que l'approche est différente parce que Bulle d'éveil, c'est un centre de bien-être. Donc, on a certains préjugés, on a une certaine approche de la notion. Par contre, quand c'est un centre de formation, on a tendance à voir les centres de formation comme un lieu où on sait déjà ce qu'on veut. On vient juste récupérer un devis, on s'inscrit ou on ne s'inscrit pas. Donc, comment vous, vous faites pour présenter les choses, pour vous montrer que c'est pas simplement du soutien scolaire, c'est vraiment quelque chose de différent. Comment vous présentez ça? Alors moi, je communique beaucoup avec les parents via les réseaux sociaux. Je fais des podcasts, je leur donne des tips pour les aider, les accompagner dans ce rôle de parent et d'éducation de l'enfant parce qu'en fait, on nous apprend pas à être parents. Et bien entendu, tous les parents veulent le meilleur pour leurs enfants, sauf qu'ils se retrouvent démunis en fait. Ils se retrouvent démunis parce que la société évolue très vite. Moi, je suis dans le développement des compétences de l'enfant et tous les parents ont envie que leur enfant soit épanoui. Maintenant, on fait ça comment? Alors moi, ce que je leur propose aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre à leur enfant à développer les compétences de vie comme la gestion de projet, comme l'autonomie, en utilisant le quotidien. Par exemple, même sur la gestion financière, puisqu'on travaille aussi sur la gestion financière, apprendre à aller faire les courses avec l'enfant et lui montrer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a beau dire ce qu'on veut à notre enfant, l'enfant fera ce qu'il voit qu'on fait. Et ça, c'est une réalité.
On peut essayer de le matraquer, de lui dire tout ce qu'on veut. Il va faire ce qu'il voit qu'on fait. Et donc, déjà, il faut que le parent prenne conscience qu'il faut qu'il ait les bonnes attitudes pour que son enfant reproduise derrière, parce que l'enfant ne fait que ça, reproduire. Alors ça, c'est tout à fait, de toute façon, on est tous d'accord à ce niveau. Je profite justement pour saluer les personnes présentes, dont notamment Brandon, French Action. Oui. Voilà, donc je vois des commentaires sympas. C'est vrai que ce n'est pas facile d'être parent, ça ne s'apprend pas. Alors moi, j'ai un petit bémol à ce niveau. Ça ne s'apprend pas à être parent. Par contre, il y a des livres sur comment être, entre guillemets, un meilleur être humain. Et justement, ce que j'ai trouvé intéressant dans le mimétisme qui a été présenté, cette façon de reproduire ce qu'on voit, c'est qu'on a tendance à mettre beaucoup de pression sur la casquette de parents, comme sur la casquette peut-être de salariés, de collègues, etc. Mais on est tous des êtres humains et on interagit avec des êtres humains. Et il y a des livres sur ça, il y a de la littérature, il y a des formations, il y a des choses qui peuvent être possibles. Et je pense qu'avant de vouloir être un excellent parent ou aider son enfant à ce niveau, on peut déjà réfléchir à soi-même, être épanoui soi-même. Une phrase que j'aime bien répéter, c'est « Seul le parent épanoui peut aider son enfant à être épanoui. » Je peux être malheureux et montrer à mon enfant c'est quoi être heureux. La chose que je peux lui montrer, c'est ce que moi je fais, qui je suis. Mais ça, ça vient aussi de la société, en fait. Le fait d'être parent, on est responsable et des fois, les parents ne voient pas leurs enfants comme un autre être humain, à vrai dire. On le voit comme, c'est vrai, c'est un être humain, mais c'est notre enfant. Et on doit essayer de, ça se peut par notre passé avec nos parents, la relation, on ne veut pas répéter les mêmes choses. Donc, on essaye de faire beaucoup et on oublie soi-même. Donc, c'est vrai que, comme dit French Action, ça ne s'apprend pas. Et il faut s'impliquer, la parentalité aussi, il faut qu'on crée des communautés, en fait. Parce qu'on ne peut pas le faire soi-même. Et c'est difficile de casser des mécanismes qu'on a depuis des années. Et quand on a un enfant, du jour au lendemain, ça ne se passe pas toute fois qu'on jamais a comme on veut. Jamais comme on veut. Et on ne sait pas quel genre d'enfant qu'on va. Des fois, parce qu'on va... On va peut-être se comparer à notre parent, la relation avec un parent et un enfant, mais c'est pas forcément la relation qu'on va avoir avec notre propre enfant. Donc, il y a tout ça à retravailler aussi, en fait, quand on est parent. Ben, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, justement, les enfants, ils ont chacun leur caractère et les types d'éducation qu'on va avoir, ils vont devoir être adaptés à chaque enfant, même si on a 10 enfants dans la même famille, la manière de voir va être différente. Ce sont des êtres à part entière. Voilà, on ne pourra pas faire les mêmes choses pour chacun. Et comme tu disais tout à l'heure, un parent qui n'est pas bien dans sa peau, dans sa tête, ce sera vraiment compliqué pour lui de donner des bonnes choses à son enfant si lui-même ça va pas. Parce que les enfants, ce sont des éponges. Et quelquefois, on n'a même pas besoin de dire qu'on va pas bien. L'enfant, lui, il va réagir avec son corps. J'ai souvent des mamans qui sont complètement démunies parce qu'ils ont des enfants hyperactifs ou avec beaucoup de stress, beaucoup de mal-être. Et en fin de compte, quand je discute avec la maman, ben c'est plutôt elle qui n'est pas bien. Et l'enfant, il lui fait ressentir que ça ne va pas. Donc, oui, il faut savoir avec qui on doit travailler en fait en premier. Alors, si je comprends le sous-entendu qui est dit ici, parfois, ce n'est pas l'enfant qui a besoin d'être accompagné, c'est plutôt le parent. C'est bien tout ça. Tout à fait. C'est... Voilà, là, au moins, on est sûr. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. Lorsque je le dis, parfois, ça gêne. Mais effectivement, parfois, on se rend compte que c'est pas que le problème n'est pas au niveau de... Ce que j'aime bien, c'est que la notion de problème est proche de la notion de solution. Une fois qu'on a identifié le problème, on trouve assez rapidement la solution. Donc, je préfère dire plutôt que là où il y a un changement effectué, c'est plutôt au niveau du parent. Peut-être sa perception de l'enfant, sa perception de la vie familiale ou son quotidien. Et du coup, comment vous abordez comment vous arrivez à faire comprendre aux parents que c'est peut-être pas à l'enfant de changer, c'est peut-être aux parents de changer? Alors moi, je pose une question simple, hein. C'est « Et vous, comment ça va vraiment ?» Ah. Et là, quand il y a un blanc, c'est qu'il y a quelque chose, souvent. Ça résonne. Et c'était de... Oui, alors moi, je suis surtout dans les parents en leur demandant est-ce que eux ils sont épanouis? Est-ce qu'ils sont, ils se sentent à leur place? Est-ce qu'ils font des choses qu'ils aiment? Est-ce que le matin, quand ils vont bosser, ils ont la banane ou pas?
s'ils n'ont pas la banane, ils peuvent pas prétendre que leur enfant demain va être super content d'aller à l'école et d'apprendre des choses si c'est pour devenir comme papa ou maman qui toute la semaine il fait la tronche en allant travailler quoi. Enfin, il faut être clair aussi avec ça. Est-ce qu'on a envie, enfin sincèrement, est-ce que quand on voit son papa ou sa maman tous les jours se lever et faire la tronche pour aller travailler, est-ce qu'on se dit ben moi j'ai envie d'apprendre à l'école et puis de faire pareil, c'est ça qui m'attend? Ben, non, peut-être pas, j'ai pas envie quoi. Donc il y a tout ça aussi qu'il faut travailler chez le parent. Et moi je les accompagne aussi d'une certaine façon à leur dire, si vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous faites, il n'est jamais trop tard pour changer de voie. Il faut le faire. Si c'est pas pour vous que vous le faites, faites-le pour vos enfants, pour l'avenir de vos enfants. Alors du coup, je vais introduire Yécric, il est arrivé. Ah super, super. Hello tout le monde, désolé pour le retard. Bonjour, bonjour. Alors, Yécric, comme on est un petit peu en retard, je vais faire une présentation rapide pour qu'on puisse enchaîner, pour qu'on puisse rentrer dans la discussion rapidement. De ce que j'ai compris, donc, ce sont des box qui sont à destination des enfants. Exactement. Mais alors, j'ai deux questions. Il y a quoi dedans et pourquoi? Donc, dans Yécric, tous les mois, l'enfant reçoit dans sa boîte aux lettres un magazine culturel dédié à la Caraïbe, dans le sens large, aussi bien Guadeloupe, Martinique, mais aussi toute la Caraïbe anglophone, hispanophone, et voire même des pays, des anciennes colonies néerlandaises. Et donc, on aborde toutes les questions qui peuvent toucher notre caribéanité, comme on dit, et mais aussi bien dans l'aspect culturel, mais aussi dans l'aspect de la biodiversité, où on va donc découvrir certains animaux qu'on retrouve dans la Caraïbe et qui existaient par moment ben, chez nous auparavant. Voilà, donc ça permet véritablement à l'enfant de pouvoir s'asseoir d'un point de vue géographique dans sa réalité caribéenne, et, mais au-delà même du folklore, vraiment dans une réalité environnementale. Voilà, chez nous, il y a ça, chez nous, il y a ça, il y a tel animal, que lorsqu'on va dans tel pays, on peut peut-être rencontrer tel type d'environnement. Voilà, c'est clairement une volonté d'asseoir un peu plus sa région dans son mode de vie, quoi, tout simplement. Alors, c'est intéressant parce que ça rejoint un commentaire qui est passé. Certains parents pensent que c'est à l'école de prendre la place des parents. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans la présentation qui a été faite, on parle ici notamment de l'identité de l'enfant. Dans quel environnement suis-je? La Caraïbe a une certaine identité, une certaine histoire, un certain environnement. Et comment on fait pour prendre tout ça en compte? Parce que, allez, la discussion de manière générale, c'est vraiment la difficulté des parents à prendre tout ça en compte. Comment aider l'enfant? Je rappelle le titre, le sujet SOS, mon enfant s'en sort pas. Comment prendre en compte l'école, les résultats scolaires, la vie à la maison, notre vie personnelle en tant que parent, notre vie privée, vie intime? Comment prendre en compte en plus la culture, l'histoire, etc.? Et justement, je pense qu'à travers cette box, il y a cette volonté de participer, pas en prenant la place du parent, mais plutôt en facilitant le travail du parent. Voilà. Nous, on se perçoit véritablement comme un outil. On est un outil facilitateur. L'idée étant que le parent, grâce à nous, peut facilement intéresser l'enfant à des questions qui sont de sa culture et de sa région. Il ne sera pas évident pour un parent de, lorsqu'il voit par exemple un tamanoir passer, automatiquement il va se dire, mais le tamanoir, tu vas en trouver au Brésil, tu vas en trouver en Afrique et tout ça, alors qu'il y en a à Trinidad. Mais ça, le parent, il ne sait pas forcément. Et grâce à Yécric, l'enfant voit l'animal, il dit « Ah, maman, c'est quoi ça? Il mange des fourmis? Oui, oui, oui. » Et t'as vu, il y en a à Trinidad. Trinidad, c'est là, c'est juste à côté de chez nous. C'est juste en bas, là. Voilà, c'est un outil. On facilite un peu les choses. Et puis surtout, c'est la façon dont on a construit la box. Dans notre magazine, on parle aussi créole. On écrit aussi en créole. Et le créole n'est pas traduit. C'est le parent qui, par sa volonté, explique à l'enfant, si l'enfant bute sur certains mots, ce que ça signifie. Et ce que ça signifie, tout simplement. Vraiment, on est facilitateur. On est là, on peut être utilisé ou pas, mais c'est par la volonté du parent de nous inclure dans l'éducation de l'enfant. C'est vraiment ça. Et pour aller un peu plus loin,
La Caraïbe, on a une histoire commune hein, qui est l'arrivée par l'esclavage, qui est l'anéantissement du peuple amérindien, mais aussi on a des divergences qui sont liées à la colonisation et qui sont liées aussi aux langues parlées. Le français, l'anglais, l'espagnol, le néerlandais dans certaines îles, mais aussi ben, la langue créole, le partiamento, des langues qui sont diverses et qui créent finalement nos différences. Et on a tendance, nous, caribéens francophones, à être dans une certaine chimère, à toujours vouloir faire en sorte que on est la Caraïbe, nous sommes frères. Oui, nous sommes frères, mais nous sommes aussi différents. Et grâce à cette boxe-là, ça permet de percevoir les différences et de percevoir la réalité. Et donc, au final, si on veut aller plus loin, il faut qu'on soit conscient de tout ça. Souvent, par exemple, lorsque moi, je pense comme pas mal dans le business, et j'ai des camarades qui sont entrepreneurs et qui disent « Ah ouais, qu'on va faire du chiffre, on va commencer à bosser sur Haïti, ça va le faire, ils parlent français comme nous, ils parlent créole comme nous, en plus, ils ont une grosse diaspora, ça va le faire. Mm-hmm. » Eh bien, tous se sont cassés les dents. Parce que Haïti, ils ont beau parler français comme nous, ils ont beau parler créole comme nous, c'est une autre réalité, c'est une autre façon de vivre, c'est une autre perception des choses. Et donc, on ne peut pas arriver là juste en se disant « on parle la même langue ». Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment prendre conscience de cette subtilité-là. Et on a la prétention de croire et d'espérer que d'ici quelques années, eh ben, YCRIC pourra permettre aux enfants, aux parents, eh ben, de prendre conscience de toutes ces petites subtilités qui font qu'on est ensemble, mais qui font aussi nos différences. Alors, c'est intéressant parce que lorsqu'on parle justement business ou ce type de projet, on comprend, c'est logique en fait de penser que ben, chaque coin a sa réalité, chaque environnement a sa réalité, chaque culture. Par contre, justement, pour revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt, concernant l'éducation, on a tendance à avoir des idées fixes, à dire que c'est la même chose pour tout le monde, alors qu'on disait justement que chaque enfant a son caractère, il y a une façon d'aborder de manière différente. Et ce que j'ai entendu dans la présentation de YCRIC, de cette box finalement, c'est que le parent a sa part à jouer. C'est pas une box que le parent donne à l'enfant et puis il s'en va et laisse l'enfant. C'est un peu mais comme nous tous, le parent intervient dans le processus. J'aime bien aimer le mot facilitateur, outil. Je pense qu'on est tous, on peut tous se qualifier comme ça. On est des facilitateurs au niveau de l'épanouissement de l'enfant, mais aussi du parent. Donc, est-ce qu'on est d'accord que chaque solution, toutes les solutions qu'on propose, c'est pas uniquement pour l'enfant, c'est plutôt pour la famille, le parent et l'enfant en même temps. On est d'accord sur ça? Exact. Super. Alors, il y a des commentaires. Effectivement, le concept de box est génial parce qu'effectivement, c'est, on pense pas forcément à créer ce type de projet pour la Caraïbe, montrer cette identité, prendre aussi en compte le fait que, en fait, on a une façon différente d'aborder les choses. Donc, il nous faut des solutions différentes. Je le vois, par exemple, je peux pas parler de la même façon à un parent qui vit. Je sais pas, on va dire en France hexagonale, un parent qui vit en Martinique, un parent qui vit peut-être en Afrique du Sud. Parce que chacun, il y a aussi une culture à respecter, une façon de voir les choses qui est assez particulière. Et donc, c'est intéressant de le rappeler dans notre communication. Exact. Maintenant, j'aimerais qu'on ait une vision plus concrète, puisque là, c'est vrai que, entre guillemets, excusez-moi le terme, mais tout le monde pourrait dire ce qu'on vient de dire. Dans la pratique, comment chacun travaille avec la famille? Prenons un exemple concret. Donc, au niveau de la boxe écrite, c'est vrai qu'on a parlé d'identité, de culture. Il y a par exemple le créole qui n'est pas traduit, ce qui oblige le parent à traduire pour l'enfant, sauf si l'enfant comprend déjà naturellement le créole. Et prenons un exemple, j'aimerais poser la question à entre kidspreneurs. Prenons un exemple de compétence type l'autonomie. Comment on fait pour développer l'autonomie d'un enfant? Alors, moi, concrètement, c'est pareil, avec mon outil, qui est la formation, l'enfant va mener un projet pour créer une entreprise virtuelle. Donc, quand il va créer son entreprise virtuelle, la première chose, c'est qu'on va travailler sur sa créativité pour qu'il trouve des idées. Moi, je suis vraiment sur le développement durable et sur l'environnement de l'enfant. Ça veut dire qu'on lui dit, il faut chercher dans ton environnement premier, à la maison, si tu es en Guadeloupe, qu'est-ce que tu pourrais faire en Guadeloupe avec la canne à sucre, par exemple, pour trouver une idée pour améliorer le quotidien à la maison. Il va ensuite mener
toute cette réflexion comme un entrepreneur, et c'est ça qui va au fur et à mesure lui permettre de développer ses compétences. Maintenant, pour venir sur l'autonomie en particulier, l'idée est qu'il puisse par lui-même se connecter sur la plateforme, travailler. Les parents sont pas loin, bien sûr, mais il faut qu'il le fasse tout seul. Ensuite, il a des défis à réaliser. Par exemple, il doit aller interroger ses parents sur certaines, dans certains défis, sur certains cas bien particuliers. Et donc, c'est en allant interroger son parent qu'il va prendre cette audace, qu'il va oser, en fait, passer à l'action, parce que souvent, en fait, ils ont peur de passer à l'action. Et on va transposer ça dans son quotidien pour l'aider, par exemple, à aller acheter le pain tout seul. Parce que là où il n'osait pas, en fait, il va se dire, bon, maintenant, je peux aller acheter le pain tout seul. Concrètement, je peux le faire. Comment je m'organise, puisqu'on les fait travailler aussi sur l'organisation, sur la gestion du temps, puisqu'un entrepreneur, ça doit apprendre à gérer son temps. Alors, comment je m'organise pour faire mes devoirs, mais pas passer trop longtemps à faire mes devoirs, parce que il n'y a pas que les devoirs dans la vie aussi, et les apprentissages sont différents. On peut apprendre en faisant autre chose, et moi, c'est ce que j'explique à tous les clients que j'ai, c'est que l'apprentissage n'est pas que à l'école. Quand j'envoie mon enfant acheter le pain et qu'il doit, il n'y a plus de pain, mais qu'il doit très rapidement réfléchir et trouver une solution pour se dire, ok, maman, il n'y a plus de pain, est-ce que je vais à la boulangerie d'à côté ou est-ce que j'achète une baguette parce qu'il n'y a plus de pain? Tout ça, c'est vraiment développer l'autonomie de l'enfant parce que il va être orienté solution. Il faut qu'il apprenne à trouver des solutions et à répondre aux défis de la vie parce que c'est ça la vie en fait. Quand il se passe quelque chose, qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Donc, c'est là où nous, entre Kidspreneurs, aidons les enfants à développer leur autonomie. Alors, c'est vrai que ça, c'est super intéressant parce que c'est un discours que je répète assez souvent. L'apprentissage ne se résume pas qu'à l'école. L'école, c'est juste un lieu d'apprentissage. Et les connaissances, et plus largement, les compétences qu'on doit développer, elles peuvent être développées partout. Par exemple, la gestion financière, comme on disait lorsqu'on fait des courses. D'autres exemples qui ont l'air anodins, et qui sont porteurs de très grands conseils, sont vraiment des sources de connaissances, d'apprentissage. Maintenant, j'ai une question pour Bulle d'éveil, plutôt au niveau de la concentration. Il me semble que c'est un terme qui est revenu. Comment on fait pour aider un enfant à mieux se concentrer? Chez Bulle d'éveil, en tout cas. Alors, notamment en méthode éducative 3C, on va apprendre différents exercices qu'on va mettre en place dans la séance, mais aussi en dehors de la séance, c'est-à-dire que les enfants sont amenés à travailler seuls ou avec leurs parents, selon leur âge aussi. Je leur fais comprendre à quel moment ils ont besoin d'être concentrés. Est-ce qu'il y a des moments dans leur journée où ils manquent de concentration? Donc souvent, c'est au niveau de l'école que ça pêche. Mais pour ceux qui sont un petit peu réfractaires, parce que il y a des enfants qui se disent non, mais moi j'ai toutes les compétences, tout va bien, j'ai pas de problème, j'ai rien à faire là. Le but c'est de leur faire prendre conscience comment ça se passe, à quoi ça sert la concentration. Donc pour les plus sportifs, je leur explique vous avez vu les JO, vous avez regardé comment font les sportifs avant une compétition, ils se concentrent, ils ont besoin d'être au maximum de leur capacité. Donc, par des exemples concrets, en fait, de la vie de tous les jours, on va les amener à avoir cette conscience de travail qu'il faut faire parce que la concentration, comme toutes les autres compétences, ça s'apprend. C'est pas inné. Alors, j'ai entendu deux choses. Déjà, qu'effectivement, la concentration, ça s'apprend. C'est un discours qui a du mal à passer parce qu'on repère souvent les problèmes. Mon enfant n'est pas ci, mon enfant n'est pas ça, ou on n'est pas ci, on n'est pas ça. Et on oublie qu'il y a un entraînement. Et la concentration, effectivement, souvent, c'est à l'école qu'on ressent le problème ou le manque de concentration. Mais s'il est présent à l'école, on va dire les résultats scolaires sont des symptômes. C'est pas vraiment la cause. Le problème de concentration, il est beaucoup plus général. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment à quel moment je ressens ce problème-là. Le fait que certains enfants ne perçoivent pas le problème, je pense que c'est ce que j'ai remarqué. C'est pour ça que j'aime travailler avec les parents. C'est que on peut pas obliger un enfant à appliquer une solution si lui-même, il n'a pas vu le problème. Ouais. De la même façon, le parent ne va pas intervenir à un certain endroit avec l'enfant si le parent lui-même ne perçoit pas le problème. Et d'abord, c'est justement, c'est pour ça que je posais ces questions un peu plus tôt, comment vous faites pour faire comprendre aux parents qu'il y a un problème d'abord là, avant de vouloir agir là?
Donc, d'abord, peut-être un problème au niveau personnel, à notre niveau, avant de chercher un problème ou de chercher une solution à un éventuel problème chez l'enfant. Comment chez Yécri, vous communiquez sur ce… Est-ce que vous dites simplement, bah, écoutez, nous, on parle de la Caraïbe, vous verrez, c'est chouette, inscrivez-vous. Ou quel problème, quelle problématique vous mettez en avant et à quel problème, du coup, vous présentez une solution? La question l'a fait partir. En attendant qu'il revienne, j'aimerais juste rebondir sur Buldeva, la question de concentration, parce qu'on a tous vu des études qui disent que entre un certain âge, le maximum de concentration, c'est 20 minutes. Vous en pensez quoi de ces articles qui disent qu'il y a une time limit pour la concentration en fonction des âges? Donc, comment répondre? Au niveau du développement de l'enfant, oui, il y a des âges où on va avoir plus de facilité à se concentrer ou non. Pour un enfant de maternelle, oui, c'est 20 minutes, voire 15 minutes seulement, parce que l'enfant, il a besoin d'enregistrer assez rapidement ses informations et son cerveau est en pleine construction. À l'adolescence, c'est pareil, le cerveau, il est en pleine restructuration. Donc, tout ce qu'il a appris avant, toutes les notions qu'il avait avant, c'est un petit peu… C'est un petit peu compliqué à cette période-là parce qu'il y a les hormones qui se mettent en jeu, il y a l'environnement aussi de l'adolescence, hein, les premiers amours, etc. Donc, il y a plein de choses qui vont se mettre en place et qui vont, chez certains, vont complètement les déboussoler au niveau de la concentration, au niveau des émotions, au niveau de pas mal de choses. Et du coup, il faut prendre en compte aussi le développement et l'âge de l'enfant par rapport à ça. D'accord. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé avec certains clients de déceler, des problématiques autres que la concentration chez vos clients, juste en faisant cette analyse de la concentration? Alors, la concentration, c'est très vaste. Ça peut être un problème émotionnel à la base. Ça peut être vraiment, je ne veux pas voir la situation actuelle, donc je vais bouger, je vais gesticuler, je vais crier, je vais hurler. Et souvent, quand on n'a pas fait une analyse approfondie, on va mettre ça sous le coup de, c'est un enfant hyperactif, on va le cataloguer, ou c'est un enfant qui a un manque de confiance en soi, donc hop, c'est comme ça, et on va lui faire faire ça. Et en fin de compte, il faut voir l'enfant dans son entier. Dans sa globalité, ok. Effectivement, l'exemple que j'ai remarqué, c'est le fait de travailler sur son lit. Les personnes qui disent pouvoir ou aimer travailler sur leur lit, en fait, j'ai remarqué qu'en fait, le travail est vu comme quelque chose d'inconfortable. Donc, inconsciemment, on va créer un environnement de travail qui va compenser cet inconfort. Et comme le lit, c'est un meuble sous lequel on est censé se reposer, donc c'est confortable, ça permet de compenser. Et j'ai remarqué à mon niveau, le faible travail que je fais au niveau de la concentration, c'est que le problème, c'est même pas la concentration, c'est plutôt les distractions. Ça peut être une distraction émotionnelle, ça peut être un objet ou par exemple, travailler avec une débroussailleuse à côté, ça peut gêner. Souvent, en fait, c'est la capacité à ne pas se laisser, à refuser, en fait, d'être distrait par ce qui se passe autour de nous. Ou par les conforts qu'on ressent. Et justement, on revient un peu encore une fois sur cette relation parent-enfant. C'est comment le parent, lui, parce que là, entre guillemets, on est des professionnels dans notre milieu, mais comment le parent, peut-être même le parent qui ne nous connaît pas, qui ne nous a jamais rencontrés, comment un parent peut naturellement aider un enfant à mieux se concentrer à la maison? Est-ce qu'il y a des astuces simples qu'on pourrait mettre en place pour favoriser la concentration, l'autonomie ou même la motivation? Est-ce que vous avez des astuces à proposer? Alors, certains enfants vont avoir besoin d'être dans le silence, c'est-à-dire évacuer le bruit de la débroussailleuse, avoir une salle propre et saine. Tu as parlé du lit tout à l'heure, mais c'est pas forcément une bonne solution parce que sur le lit, on doit dormir et pas travailler. Donc, là aussi, c'est un autre sujet. C'est favoriser un bel espace agréable et propre et qui sent bon. C'est tout bête, mais c'est aussi ça. C'est donner au cerveau des bonnes attitudes pour être bien. Par contre, a priori, il y a des enfants aussi qui ont besoin de travailler dans le bruit, qui ont besoin de bouger, qui ont d'autres besoins. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'être à l'écoute de l'enfant, parce que selon les enfants, il va y avoir des choses qui vont être mises en place de manière différente. En règle générale, les gens se concentrent bien dans le silence.
Mais quand il n'y a pas de silence, comment on fait? Eh ben, il faut s'entraîner à ça aussi. Il faut pouvoir avoir les différents aspects. Dans les exercices que je fais, on est beaucoup dans l'attention au bruit pour se les approprier et pour justement qu'ils deviennent presque absents quand ils sont toujours là. Quand il y a des familles nombreuses, il y a du bruit dans la maison. Se concentrer avec du bruit dans la maison, on ne pourra pas avoir une salle à soi, ou on ne pourra pas avoir un espace très très calme. Donc, il va falloir apprendre à travailler avec du bruit. Surtout en ce moment où il y a beaucoup de cours en ligne. Et ça me fait rire un peu parce qu'en fait, j'étais un de ces élèves. Je n'arrivais pas à me concentrer quand il n'y avait pas de bruit, en fait. Il fallait que je sois dans un environnement bruyant pour me concentrer. Donc, je m'identifie, je pense que c'était bizarre, mais bon. Ça me rassure que... Il y a une question commentaire au niveau de la... Il y a le mouvement aussi, hein. Le mouvement, pouvoir travailler avec ses pieds, avoir un anti-stress dans les mains, avoir une chaise qui bouge un petit peu. Ça peut permettre à certains enfants de se concentrer. Alors, ça, effectivement, je trouve ça intéressant parce que ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas naturel de passer une matinée assis sur la même chaise. Pourtant, c'est ce qu'on pousse les enfants à faire à l'école. Et il y a des enfants qui aiment bien bouger. J'ai déjà conseillé à des parents, par exemple, d'acheter un tableau à la maison pour que l'enfant puisse travailler debout. Parce que l'enfant, à son caractère-là, il n'arrive pas à rester assis. Donc, au moins à la maison, qu'il puisse déjà s'entraîner à travailler debout, qu'il y ait déjà un travail de fait. Et petit à petit, peut-être, pour rester dans les clous du système, lui apprendre petit à petit à gérer l'inconfort sous la chaise. Effectivement, il y a des enfants qui sont actifs, qui ont besoin de bouger, qui ont du mal à rester assis. Et il y a une question en commentaire concernant justement la méthode Pomodoro qui consiste à alterner des périodes de concentration avec des périodes de repos. Est-ce que c'est une méthode que vous-même vous conseillez? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je vais juste rebondir par rapport à ce que vous disiez. Je pense que quand on est un parent, la première chose qu'il faut apprendre à faire, c'est observer son enfant. On a toujours envie de mettre les enfants dans des moules, dans des cadres, que tout le monde doit faire la même chose, sauf que tout le monde est différent. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va pas avancer parce que certains vont travailler dans le bruit, certains vont travailler dans le silence, et certains, à un moment donné, auront besoin de silence, auront besoin de bruit. Je pense que on n'est jamais pareil et on n'est jamais pareil au même moment. Regardez-vous, observez-vous vous-même. Quand vous faites des choses, ben il y a des fois où vous avez envie de silence et puis il y a d'autres fois où non, vous avez envie de bruit ou en tout cas d'un fond sonore. Donc on n'est jamais pareil et on n'est jamais pareil au même moment. Donc il faut vraiment comprendre ça avec son enfant que observons l'enfant et faisons confiance à nos enfants. Si l'enfant a envie de se mettre debout pour travailler, ok. Il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on attend de lui et sur combien de temps. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne avec les enfants. C'est voilà, on se met d'accord, on s'engage, on s'implique ensemble que tu dois faire telle activité pendant 20 minutes ou une demi-heure. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, j'ai envie de dire le chemin que tu prends. La façon de mener. C'est toi qui décides. Et c'est justement en ça que l'enfant va développer son autonomie. S'il a envie de se lever ou s'il a envie de faire une pause toutes les 2 minutes, il faut le laisser faire. Ce qui est important, c'est qu'à la fin des 30 minutes, le résultat doit être là. Et si le résultat n'est pas là, parlons-en. Est-ce que tu penses que tu t'es trop dispersé? Est-ce que tu penses que te mettre debout, ça t'a facilité? Et c'est comme ça, au fur et à mesure, pour moi, que l'enfant va apprendre qu'est-ce qu'il y a de mieux pour lui. Parce que on est extérieur à lui, on ne sait pas tout ce qui se passe dans sa tête et comment il fonctionne. Donc, peut-être laissons-le aussi, donnons-lui cette chance de nous expliquer comment lui fonctionne vraiment aussi. Alors, c'est intéressant, moi, la métaphore que j'aime bien, c'est celle du bac à sable, parce qu'en fait, l'air de jeu qu'on accorde à un enfant est relatif à la maturité de l'enfant. Plus l'enfant est mature, plus on lui laisse une grande surface de jeu. Et dans cette surface de jeu, en fait, l'enfant est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, nous, on sait, on a ce sentiment de sécurité qui nous permet de dire, je peux laisser l'enfant faire ce qu'il veut, parce que je sais qu'il est assez mature pour éviter de se mettre en danger, pour avoir un résultat positif. Et donc, si je peux résumer ce qui a été dit et l'interpréter avec mes mots, c'est vraiment être d'accord, être clair sur les instructions. Donc, créer cet espace et laisser l'enfant libre de faire ce qu'il veut dans cet espace. Parfois, ça fonctionne avec un espace physique. Parfois, c'est avec une durée de temps. C'est bien cela. Exactement. Dire à l'enfant, je t'accorde 20 minutes, tu te débrouilles comme tu veux pendant les 20 minutes et on fait une pause à la fin des 20 minutes. Ce qui rejoint un peu la méthode Pomodoro. Le but, c'est de laisser l'enfant libre de faire ce qu'il veut pendant cette durée.
C'est ça. C'est ça. Alors, est-ce que chez Bulle d'éveil, on fonctionne plus ou moins de la même façon? Alors, les séances, elles sont justement calées sur ce genre de choses. Le cerveau, il a besoin de plusieurs activités différentes pour intégrer. On va passer par le corps, donc aller détendre le corps, aller bouger, trembler, danser, mobiliser vraiment le corps. On va passer par des moments de concentration, des moments de calme où on va être plus sur la respiration, on va se poser pour bien intégrer justement. On va passer on va passer par différentes étapes pour arriver à un état plus calme. Et le cerveau, il a vraiment besoin de toutes ces étapes-là pour intégrer la totalité de la séance, en fait. Et de savoir que toutes ces activités, on en a besoin tous les jours. Si je ne prends pas 5 minutes par jour pour respirer, mon cerveau va éclater. Si je ne prends pas 5 minutes par jour pour fermer les yeux, me détendre, je serai moins concentrée. Donc, en fait, cette séance condensée de plusieurs exercices va illustrer en fait les différents moments de la journée qui vont s'installer. Donc, ce ne sont pas des exercices à faire dans la séance et après, on oublie ce qu'on a fait. C'est vraiment des exercices à intégrer dans notre quotidien. Vraiment des choses à faire naturellement tous les jours comme des habitudes. Exactement. Souvent, pour les adultes, je donne un exemple précis. On est à la caisse du supermarché. On commence à être agacé parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a du bruit, on a envie d'être chez soi, on en a marre, on est fatigué. Utilisez ce moment-là, soit pour écouter ce qui se passe de façon détachée. Voilà, la caissière, elle fait ça, j'entends des bruits derrière, je suis consciente de tout ce qui se passe. Ou bien carrément, je ferme les yeux, je respire. Et je me concentre juste sur ça. Et j'ai passé mes 5 minutes à faire quelque chose plutôt que de m'énerver ou de perdre mon temps, en fait, dans une file du supermarché et ça me sert à rien. Donc, on utilise chaque moment de la journée. Là, si je suis énervée, à ce moment-là, je peux faire tel exercice. Alors, je reviens sur une intervention de chez Entrekidspreneur qui parlait notamment dans la création d'un projet pour l'enfant, de mettre des défis, mais surtout de laisser l'enfant aller chercher l'information, chercher sa façon de créer ce projet-là. Et c'est comme l'objectif étant de laisser l'enfant augmenter de lui-même son autonomie. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est de faire confiance à l'enfant sur sa faculté à apprendre par lui-même et à s'épanouir seul. Alors, est-ce que selon vous, en gros, est-ce que vous confirmez ou réfutez cette thèse? Est-ce que selon vous, l'autre but, c'est d'aider l'enfant à s'épanouir ou plutôt d'arrêter de mettre des obstacles, de le laisser en fait avancer à son rythme et de lui proposer des outils, peut-être pour aller plus vite, mais sans lui dire comment faire. Est-ce que pour vous, il faut imposer des solutions parce qu'on sait qu'elles sont bonnes ou plutôt laisser l'enfant avancer à son rythme, à sa façon? Quelle est plutôt votre approche? Moi, je dirais qu'il faut les deux. Un enfant a besoin de structure. Il a besoin qu'on lui dise, voilà, ça c'est bon pour toi, ça c'est moins bon pour toi. Maintenant, effectivement, tu as le choix d'expérimenter le moins bon, d'aller voir en quoi ça te convient pas, de trouver aussi quelques solutions. Je t'en donne quelques-unes. Voici les miennes. Est-ce que tu as d'autres solutions? Le laisser réfléchir aussi. Donc, nous, en tant que parents, on a besoin de leur poser des limites parce que c'est notre besoin de parents parce qu'on veut les protéger. Mais c'est aussi leur besoin à eux d'avoir une structure et une limite autour d'eux pour bien grandir en sécurité. Alors, justement, c'est un conseil que je dis aux parents et c'est également un reproche que je fais, c'est qu'on parle souvent, en fait, justement des limites, on parle souvent des règles à la maison, mais où sont ces règles? Souvent, je discute avec des parents qui ne comprennent pas l'attitude de leur enfant et je leur dis, mais les règles sont dans votre tête, vous les changez quand vous les voulez. Du coup, votre enfant, il ne peut pas se repérer. Et je conseille justement d'inscrire les règles quelque part, même si l'enfant ne sait pas encore lire, mais au moins il sait qu'il y a un document qui dit, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, je pense qu'effectivement, je partage cette opinion qu'il faut présenter une structure. Maintenant, est-ce qu'il faut imposer la structure? C'est là où on va peut-être, je pense que c'est à la sensibilité de chacun, laisser une certaine liberté. Par exemple, les fameuses réunions de famille. J'ai l'impression qu'on ne parle plus de ça. Dans les années 90, il y avait beaucoup de séries où les familles se réunissaient régulièrement. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Et durant ces réunions de famille, on peut mettre à jour ces règles. Ces règles qui consistent en fait à réguler la vie à la maison, la vie de chacun, et s'assurer qu'en fait, non pas que chacun soit limité, mais que chacun puisse s'épanouir pleinement.
Donc, est-ce qu'on est d'accord que cette structure, en fait, il y a cette carte à jouer, aussi bien, donc, bulle d'éveil, on a déjà cette présentation au niveau de la façon de faire. Est-ce que chez Entrekidspreneur, dans cette façon d'aborder des projets, ou comment vous abordez ce besoin de liberté de l'enfant qui est confronté à ce besoin de sécurité du parent? Moi, je suis parfaitement d'accord avec Bulle d'éveil. Je pense que l'enfant a besoin d'une structure parce qu'il ne connaît pas. Donc, il lui faut un certain cadre pour comprendre les règles, si je puis dire. Et ça, c'est super important parce que même lui, il ne sera pas en confiance et il ne se laissera pas aller, en fait. Il ne se laissera pas aller à expérimenter pleinement s'il ne se sent pas en confiance. Donc, il lui faut des règles. Mais là où il faut faire attention, c'est que dans le périmètre, il faut permettre à l'enfant vraiment de se faire confiance et de se lâcher. Il faut pas vouloir lui imposer notre point de vue ou notre façon de faire ou nos craintes ou nos peurs sur un sujet en particulier. Il faut le laisser vraiment expérimenter. Et moi, nous, c'est vraiment là-dessus chez Entrekidspreneur qu'on est, c'est sur l'expérimentation par l'action. C'est fait. Si tu fais des erreurs, c'est pas grave. Très souvent, on a peur de faire des erreurs parce qu'on pense que ce n'est pas une bonne chose, alors que pour moi, erreur égale apprentissage. À partir du moment où on s'explique derrière. Ok, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu en déduis et comment tu peux faire en sorte que demain, tu fasses mieux. Et c'est ça, en fait, l'important. Donc, oui, une structure, mais dans cette structure, il faut laisser l'enfant expérimenter pleinement et s'épanouir, ouvrir ses ailes, comme je dis. Alors, le mot, justement, que je voulais introduire à travers ces questions, c'est le mot punition. Où intervient la punition? Comment? Est-ce que c'est une bonne chose? Quelle est votre approche de la punition dans sa globalité? Peut-être Bulle d'éveil d'abord. C'est une question qu'on pose souvent, ça, effectivement. Ah. C'est une question qu'on pose souvent. On est dans une éducation à la bienveillance. J'ai beaucoup de parents qui sont avec l'éducation bienveillante. L'éducation bienveillante, elle est très bien, mais elle a aussi ses limites par rapport aux enfants. On a notre émotionnel de parent qui vient en jeu, et quelquefois, effectivement, on a été puni en tant qu'enfant. On a été puni plus ou moins avec violence, et quelquefois, ça, on peut pas le contrôler. On va punir de façon pas juste pour l'enfant parce qu'il a pas compris pourquoi il est puni et pourquoi il est là, hein, selon son âge. On pourra pas punir un enfant de 2 ans de la même manière qu'un enfant de 14 ans, de 18 ans. 18 ans, ça commence à être un peu juste, mais voilà, il y a une punition à chaque chose. Le mot punition, il est pas terrible comme mot, parce qu'en fait, le but, c'est de faire comprendre, comme tu disais, où est l'erreur. Qu'est-ce qui a fait que j'ai dépassé la limite qu'on avait posée? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Est-ce que moi je dirais la punition, c'est plutôt d'isoler l'enfant dans un espace sécurisant et de lui dire voilà, j'aimerais que tu réfléchisses à ce qui s'est passé, à ce que tu as fait, et est-ce que c'était dans la limite qu'on avait proposée, est-ce que tu es en dehors de la limite, et est-ce que ça a été dangereux pour toi, quelle émotion tu as pu donner aux autres, est-ce que tu as pu faire du mal physiquement ou émotionnellement à quelqu'un, je te laisse y réfléchir et on en discute après. Pour moi, ça, c'est une vraie punition, parce que ça demande de travailler sur soi. Mais en fait, la notion de bienveillance et punition, etc., c'est tous des termes qui sont un peu flous. Surtout que, comme on a dit, précédemment, que ça dépend aussi du caractère de l'enfant. On ne va pas punir les enfants tous pareils, en fait, parce que ça a fonctionné pour un, ça n'a pas fonctionné pour l'autre. Donc, il faut savoir quel genre de personnalité qu'on a devant nous. Et je pense que c'est là où il faut un peu jouer avec les punitions. Bah, encore une fois, c'est là où il faut observer son enfant. C'est sûr. Oui. En fait, il y a deux choses. Il faut encore une fois observer l'enfant pour que la punition, même si j'aime pas ce terme du tout, mais bon, même si la punition soit adaptée à la personne qu'on a en face, puisque même si c'est un enfant, c'est une identité à part entière. Donc, il faut que ce soit adapté à l'enfant qu'on a en face. Mais quand on parle de punition, ça sous-entend également que les règles étaient connues. Et moi, bien souvent, je remarque qu'il y a des punitions alors que les règles ne sont pas connues. Alors, c'est quelque part normal qu'on emprunte des règles que l'on ne connaît pas. Et donc là, avant de vouloir punir, il faut expliquer voilà le cadre que l'on donne. Et donc, si tu dépasses le cadre, maintenant, et là, je suis parfaitement d'accord avec Bulle d'éveil, c'est que
il faut que l'enfant comprenne pourquoi on n'est pas content, on n'est pas d'accord avec le fait qu'il ait dépassé le cadre, parce que quelque part, la confiance qu'on lui donnait, eh ben, il l'a trahi. Et c'est là qu'il faut qu'il comprenne, tu l'as trahi, ça peut avoir un impact sur ta sécurité, ça peut avoir un impact sur ma propre sécurité ou sur le respect ou sur plein d'autres choses, le respect de toi ou de l'autre. Et donc, une fois qu'on lui fait comprendre, moi, je suis plus dans l'explication que dans la répression. Donc, une fois que le cadre est posé, une fois que tu as dépassé le cadre, ok, maintenant réfléchis à ça. Quelles sont les conséquences? Parce que moi, je suis toujours dans ce côté expérimentation. Quelles sont les conséquences d'après toi? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Je t'avais dit de ne pas sortir, tu es sorti sans mon autorisation. Qu'est-ce qui aurait pu se passer d'après toi? Quel est mon état? Est-ce que tu imagines comment moi j'ai été inquiète quand je suis rentrée à la maison et que tu n'étais pas là? Parce qu'en fait, des fois, il faut prendre des cas concrets pour que l'enfant comprenne aussi que ça, il peut se mettre en danger, il aurait pu t'arriver quelque chose, donc t'imagines dans quel état moi j'aurais été, t'imagines dans qu'est-ce qui toi peut se passer, et il faut que une fois qu'il a compris les enjeux, les conséquences, lui dire ok, comment tu pourrais faire demain pour que quelque chose comme ça n'arrive pas, tu avais envie de sortir, mais pourquoi? Et donc essayer de comprendre aussi son point de vue, pourquoi il est sorti alors que quelque part il sait, si les règles sont établies, hein, il sait qu'il n'a pas le droit de sortir, pourquoi il est sorti quand même? Parce que des fois, il peut y avoir des choses derrière. Peut-être que c'est de la provocation parce qu'il y a un mal-être. Il y a beaucoup de cas de figure qui peuvent se produire, et c'est là qu'il faut comprendre et qu'il faut encore une fois observer l'enfant pour s'expliquer avec lui. Alors je reviens sur un terme qui a été employé, c'est le mot flou. C'est un terme aussi sur lequel je rebondis assez souvent parce que je prends un exemple simple. On savait ce qu'était un chien avant même de savoir lire. Parce qu'on en voyait autour de nous, on pouvait les toucher, on pouvait les sentir. Donc, notre définition des mots est souvent une expérience sensorielle, une expérience émotionnelle. Je pense que ce discours-là va surtout être apprécié par Bulle d'éveil parce qu'effectivement, l'approche qu'on a, par exemple, de l'école, de l'apprentissage, etc., c'est d'abord relatif à nos expériences avec ces mots, avec ces concepts. Et les mots comme confiance, quand par exemple on dit « tu as trahi ma confiance », mais c'est quoi le mot confiance? Qu'est-ce qu'on met dedans? C'est un réservoir, mais il y a quoi dans ce contenant? Donc les mots comme amour, etc. Et justement, c'est là où j'ai une question pour Yécry, parce qu'il y a la culture antillaise et donc il y a l'éducation antillaise. Comment dans ce magazine culturel, on présente ces aspects de cette culture? Est-ce qu'il y a une vision qui est apportée? Est-ce qu'il y a peut-être parfois des piqûres de rappel qui sont faites? Comment est présentée la culture antillaise? Ou quelle vision vous avez de la culture antillaise? Déjà, je tiens à m'excuser pour les multiples coupures. J'ai mon téléphone qui est en surchauffe, qui fait que c'est en sécurité et ça coupe l'image. Donc, nous, on n'est pas des spécialistes de l'éducation comme vous pouvez l'être. Moi, j'ai un cursus en géographie, en communication, en management culturel. J'ai pu travailler, c'est vrai, avec des enfants, mais voilà, je n'ai pas conscientisé ou intellectualisé l'instruction et l'éducation comme vous avez pu le faire. Donc, chez nous, chez YCRIC, on s'appuie donc sur notre box qui se compose en quatre éléments. On a le magazine culturel qui est le principal, on va dire, élément. On a aussi une box qui est récréative, donc c'est pas une box, un poster récréatif. Donc, c'est un poster classique, mais en dos, on va retrouver des jeux qu'on peut donc réaliser. C'est les cinq différences. Rejoindre les ombres entre eux, voilà, les choses comme ça. On a plein de coloriages dans le magazine. On a du découpage aussi dans le magazine. On a une activité manuelle à réaliser. Donc, ça peut être de la couture, du collage. Ça peut être voilà, de la fabrication, voilà, d'englober les choses. Et puis, on a aussi le conte antillais. Le conte antillais qui, tous les mois, met en scène nos deux héros, Coco Lapin et Domino Cochon, qui vivent toujours des aventures autour de la thématique du mois. Donc, la manière dont la culture antillaise, la culture caribéenne est utilisée et mise en avant est autour donc, de cet outil premier qui est le conte, voilà, qu'on essaie donc d'utiliser comme étant quelque chose du quotidien, mais quelque chose de récurrent, quelque chose qui revient, quelque chose d'épisodique. Alors que aujourd'hui, c'est utilisé vraiment comme, comme,
comme une forme de, pas de rareté, mais quelque chose d'exceptionnel. Voilà, j'ai été à un endroit, il y avait un compteur, ah, génial. Nous, on veut que ça soit utilisé comme quelque chose de, voilà, qui existe, qui est là dans notre outil de, d'instruction, d'éducation, de détente, voilà, de plaisir. Et aussi, on a la langue créole, voilà, qui, elle, est présente aussi bien dans le compte, aussi bien dans le magazine, qui n'est pas majoritaire, puisque notre intérêt est de faire en sorte que l'enfant soit intéressé par cette langue, donc de ne pas le rebuter. Donc, on utilise vraiment à hauteur de 20%, ouais, 20% de nos, dans notre magazine, 50% dans notre compte, pour que l'enfant puisse comprendre majoritairement le contenu et qu'il puisse avoir un intérêt pour la langue, venir, ne pas être agacé par le processus. Donc, on prend vraiment notre temps sur ça. Et puis, voilà, j'ai grandi en Guadeloupe, j'ai grandi aussi en Martinique, j'ai grandi à la campagne, j'ai grandi en ville, avec des amis, avec des grands-pères, des grands-parents. Donc, j'ai toute une émotion, j'ai tous des sentiments qui sont ancrés en moi et que j'essaie, à travers mon écriture, de faire, de retranscrire. Voilà. Je fais très attention aux mots. Par exemple, je n'écrirai jamais la butte ou la pente. Il y a un mot chez nous pour signifier ce qu'une butte, ce qu'une pente chez nous, c'est un mort. Je n'utiliserai jamais le mot but, jamais le mot pente pour écrire cette particularité géographique dans mon contenu. Voilà. C'est un peu toutes ces attentions-là qui font partie de notre langage que je prête à l'écrire dans le contenu parce que ça fait partie de nous. Voilà. Ce que j'ai retenu ici, c'est deux choses. La première, c'est que on partage uniquement notre identité, ce qu'on disait au début. Je peux uniquement partager ce que j'ai en moi, la personne que je suis. Je ne peux pas improviser un personnage pour véhiculer des choses. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, l'histoire, raconter une histoire, c'est la meilleure façon de partager de la connaissance. Et on a souvent tendance à présenter des faits. On présente des points. Et on oublie que c'est l'histoire qui permet de relier les points. Et à travers le conte ou même à travers les films, il y a beaucoup de débats, par exemple, sur à quel âge un enfant peut-il... quel âge est associé à tel ou tel véhicule d'information, finalement, quel film ou quelle série. Parce que, justement, à travers l'histoire, on va s'identifier à certains personnages et on va prendre possession, on va incarner certains caractères ou certaines façons, certaines perceptions. Et on a chacun une façon différente de faire les choses. Et je rejoins, du coup, un commentaire, une question qui est posée. Est-ce que la méthode 3C fonctionne aussi pour les adultes? Et avant de laisser la parole à Bulle d'éveil, j'aimerais rappeler que, en fait, on est tous des êtres humains et on incarne tous, au fur et à mesure de notre vie, de nouveaux éléments. On prend possession de nouvelles choses à travers les histoires qu'on vit, les histoires qu'on voit. Et au-delà de la méthode 3C, il est important de comprendre que peu importe ce qu'on vit, ça aura une influence sur nous. Et c'est cette même influence qu'on va partager autour de nous. Donc, est-ce que Bulle d'éveil déjà a partagé ce que je viens de dire? Et est-ce que, plus précisément, est-ce que la méthode 3C fonctionne précisément avec des adultes? Alors oui, pour répondre à ta première question, en tant qu'adulte, quand on travaille sur soi, il se passe plein de choses dans notre vie. Forcément, on développe des capacités, des capacités personnelles, mais aussi des capacités sociales et familiales, puisque dans la compréhension des choses, on va agir de manière différente. Et c'est ce qu'on voit aussi à travers les cours de méthode 3C. Ça fonctionne pour les adultes, ça fonctionne pour les enfants. Quand les enfants travaillent sur eux, ils vont avoir envie de partager à leurs parents. Donc les parents aussi sont dans une quête de bien-être. Et du coup, donc il existe la méthode 3C pour adultes. Et puis il existe aussi des cours de développement personnel. Qui nous permettent de se développer complètement. Et je rejoins ce que tu disais sur les contes. Il faut savoir qu'avant, on avait dans les tribus, on est en grande partie issus de tribus africaines ou bien amérindiennes, les femmes et les hommes se réunissaient autour d'un feu ou dans des tentes et racontaient des contes. Les contes, c'était des histoires de sagesse, c'était des histoires où on pouvait tirer des leçons et justement savoir ce que c'est, c'est quoi la bienveillance, c'est quoi le bien-être, c'est quoi le travail sur moi, pourquoi je dois travailler sur moi, pourquoi je dois respirer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sentir mieux, comment est-ce que je dois parler, comment est-ce que je dois me
agir par rapport aux autres. Donc, il y a beaucoup de notions qui étaient véhiculées et qu'on a moins aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve seulement avec son cercle familial, mais on oublie qu'on apprend avec tout le monde. Il y a l'école, ok, mais à l'école, il y a plus trop cette notion j'apprends à travers les contes. Et merci, écrit, de mettre ça en place aussi, parce que à travers les contes, c'est pas seulement pour les enfants, hein, il y a des contes pour les adultes, des contes de sagesse, qui apprennent aussi sur les religions, qui apprennent sur différents sujets, et qui peuvent permettre à travers ça de donner certaines notions à nos enfants. Alors, je rebondis sur une chose, c'est justement le cercle familial. J'ai remarqué que quand moi j'étais même collégien, bon, moi j'ai grandi dans une cité, donc mes amis, c'était mes camarades de classe, j'allais chez eux pour réviser, ils venaient chez moi pour réviser, et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça. Je suis même parfois obligé de rappeler aux parents qu'ils peuvent, et ils peuvent proposer à leurs enfants d'inviter leurs amis à la maison pour travailler. J'ai l'impression que ce cercle familial, et même, j'ai envie de dire, juste cet environnement, il a disparu. On se réunit plus. Les groupes de parents, ce sont des groupes WhatsApp dans la même classe, mais il n'y a plus vraiment de rencontres physiques. Et justement, là, c'est plutôt, je pense que même chez Entre Kidpreneurs, il y aura cette problématique qui va se poser. C'est qu'un entrepreneur ne va pas forcément travailler seul. Il y a peut-être des compétences ou des connaissances qu'il... C'est pas qu'il ne les a pas, mais peut-être qu'il connaît des personnes qui pourraient aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin que lui. Donc, comment on fait pour proposer à une personne ou aider une personne à s'ouvrir aux autres et à créer un environnement de travail ou même un environnement de vie, alors qu'aujourd'hui, on a ce cercle familial qui, entre guillemets, disparaît. Comment on arrive à introduire cela? Il écrit qu'il faut mettre... Désolé. Si je peux me permettre d'introduire sur le sujet, j'ai l'impression qu'on se heurte à deux réalités qui sont contemporaines. La première étant ce que nous vivons là aujourd'hui, cette capacité de pouvoir échanger à travers les réseaux sociaux, à travers des outils numériques qui permettent aux enfants de pouvoir être en connexion, aussi bien d'un point de vue camaraderie, mais aussi d'un point de vue scolaire, grâce à ce type d'outils, et donc d'avoir le sentiment d'avoir moins besoin d'être en présentiel avec le camarade pour pouvoir réaliser ce qu'il y a réalisé. Donc, peut-être que notre génération, on est un peu heurté par ça parce qu'on n'a pas grandi avec ça, quoi. Donc, on a grandi avec, on va chez les copains viennent chez nous, on se retrouve au CDI, on cherche ça, on vient plus tôt au collège, on reste plus tard. Voilà, ce genre de choses. Et peut-être aussi, il y a, ce qui est paradoxal, c'est que, l'air de rien, il y a beaucoup de parents qui sont de plus en plus, plus que la génération précédente, attachés, sensibles à l'éducation, à l'instruction, à ce qui se passe dans l'école, dans le collège, que ne l'étaient nos parents. Et donc, est-ce que, justement, l'enfant sent un besoin d'aller joindre ses amis pour pouvoir réussir son activité, alors qu'à la maison, il y a maman et papa qui sont attentifs à sa réussite, qui sont attentifs à ce qu'il est en train de produire dans le milieu scolaire, et qui peut-être seront plus en capacité de l'aider que Jackie et Jacqueline qui sont ses camarades de classe. Voilà. C'est une question que je pose sans vraiment d'avoir de réponse. Hein. C'est vraiment des interrogations. Alors, il y a une phrase qui est célèbre qui est « Il faut un village pour élever un enfant ». Et du coup, est-ce qu'il y a une réalité dans ce message-là? A-t-on simplement besoin, est-ce que l'enfant a simplement besoin d'avoir ses parents à la maison, d'aller à l'école et de revenir à la maison, ou il a besoin de... Alors justement, c'est justement ce que je voulais, la question que je voulais, ou le problème que je voulais présenter, c'est que je remarque que, par exemple, l'enfant, il a son club de foot, il a ses amis au foot, mais il ne révise pas avec ses amis de foot. Les amis de foot sont les amis de foot. Pourtant, ce sont des enfants de son âge avec qui il pourrait travailler. Il se sent déjà à l'aise avec eux. Il a déjà une certaine confiance en eux. Il pourrait travailler avec eux. Il pourrait bâtir des projets avec eux. Et on a compartimenté cette vie comme si, pour que l'enfant s'épanouisse, il a simplement besoin d'une vie à la maison avec ses parents. Donc, justement, quelle est votre
votre vision par rapport à ça. Faut-il ouvrir le cercle familial ou au contraire, vous préférez vous miser sur la sécurité à la maison, parents et enfants uniquement? Il y a une chose qui est sûre, c'est que l'enfant a besoin de toutes les interactions possibles pour vivre des expériences et grandir. Donc, s'il reste dans son cercle familial avec papa, maman et mes frères et sœurs, il va rester dans un schéma qui est construit, co-construit dans la famille, puisque les parents ont leurs propres expériences, leurs propres vécus qu'ils vont redistribuer dans, avec les enfants. Donc, si on veut que l'enfant s'ouvre, que l'enfant vive autre chose, expérimente différemment et puisse aussi découvrir ses propres ressources, il faut qu'il soit confronté à d'autres situations, à d'autres personnes. Donc, ce n'est pas en restant dans le cadre familial et en allant à l'école uniquement qu'il va pouvoir vivre tout ça. Sachant qu'en plus, le plus souvent à l'école, on est dans un contexte individualiste où on est en compétition les uns avec les autres. Et au contraire, on nous explique pas qu'il faut travailler ensemble, il faut travailler en équipe, il faut aller chercher les compétences des uns des autres. Par exemple, moi, dans mes formations, c'est la première chose que je fais avec eux, c'est je leur apprends à identifier leurs propres compétences et à identifier trouve quelqu'un qui a cette compétence qui pourra t'aider. Trouve cette personne qu'est-ce qu'elle pourra t'apporter et leur montrer que justement, l'idée n'est pas d'avoir toutes les compétences, parce que il y en a des compétences. Mais par contre, c'est savoir où aller les chercher et comment travailler ensemble. Donc pour moi, plus l'enfant va avoir d'interactions, plus l'enfant va être dans des cadres de vie différents, dans des activités et des expériences différentes, c'est plus il va grandir. Et alors, s'adapter plus facilement, oui. Et s'adapter, exactement. Alors, on a écrit qui travaille principalement sur l'identité, la culture, la biodiversité, l'environnement. On a Entrepreneur qui travaille sur les soft skills, les compétences, les compétences de vie, même entrepreneuriales. Et on a Buildevel qui travaille principalement sur le bien-être, donc la relaxation. J'ai même envie de dire, corrigez-moi si je me trompe, peut-être même un peu la spiritualité, la relation à soi ou à la vie, l'univers de manière générale. Et d'un point de vue, en fait, du point de vue de Buildevel, quel est le besoin, où est le besoin, quelle est l'intensité du besoin de s'ouvrir aux autres, d'aller chercher des réponses ailleurs. A-t-on vraiment besoin de vivre ces expériences pour s'épanouir? Comment vous présentez les choses et quels sont les outils peut-être que vous proposez aux parents? Alors oui, effectivement, je parlais de tribu tout à l'heure. Hein. Quand on est dans un groupe, on appartient à une tribu et la tribu, elle vient de différents horizons. Donc, Yécrit a dit tout à l'heure qu'effectivement, aujourd'hui, on a des outils WhatsApp, Internet, etc., qui nous permettent d'aller chercher des tribus à l'autre bout du monde. Ça, c'est un truc extraordinaire. Mais il faut quand même pas oublier que quand on appartient à un groupe et qu'on se réunit, il y a des émotions qui passent. Il y a des interactions qui se font au niveau énergétique aussi. Hein. On se lie avec certaines personnes et pas d'autres parce que on a besoin d'apprendre avec certaines personnes. Et je reviens à cette notion de « je vais chercher les informations ailleurs ». J'ai développé récemment des ateliers autour de la puberté pour aider justement les ados. Alors, pour l'instant, on est avec les filles uniquement. Pour aider les ados à savoir qui elles sont, à savoir comment elles fonctionnent et venir poser les questions qu'elles n'osent pas poser à leurs parents ou à leurs amis. Et en fait, elles se retrouvent du coup… si vous connaissez les cercles de femmes, il y a aussi les cercles de filles où elles peuvent se sentir en sécurité dans ce cercle-là. Elles peuvent interagir ensemble, avoir peur ensemble, parce que des fois, il y a des questions qui font peur. Donc là, on est là en tant que, on va dire en tant que marraine pour aller répondre à ce que leur maman, leur papa, leur sœur, leur frère ne peuvent pas répondre. Donc ce milieu familial qui est très sécurisant, quelquefois, il est aussi peut-être trop présent pour leur vie d'après. Parce qu'à la puberté, on a besoin d'être autonome. On envoie vers l'autonomie. Et être autonome, c'est aussi leur donner l'opportunité d'aller voir ailleurs, d'aller voir d'autres personnes pour répondre aux questions. Alors, je me rappelle du coup d'une anecdote que j'ai vécue. Une mère qui était énervée parce qu'elle ne comprenait pas que son enfant ne veuille pas lui parler. Je lui ai dit que, en fait, si votre enfant ne veut pas vous parler, il ne vous parlera pas.
Et elle ne comprenait pas cela. Et justement, c'est ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des attaches émotionnelles. Il y a des choses qu'on se sent, on sent facile à dire à certaines personnes, et il y a d'autres où il y a un blocage. Et en tant que parent, comment on fait pour accepter cela, pour vivre cela? Faut-il en fait pousser l'enfant à parler? Faut-il accepter que l'enfant ne parlera pas? Faut-il chercher d'autres personnes qui pourront lui parler? Quelle est la solution à appliquer, mais quelle serait la démarche qu'on pourrait conseiller de manière générale aux parents? Faut-il obliger l'enfant à parler, obliger l'enfant à se livrer? Faut-il augmenter le cercle familial pour qu'il se sente libre de parler à une autre personne? Faut-il accepter que l'enfant ait envie de parler à certains et pas à d'autres? Comment on fait pour gérer cela, cette limite à notre relation avec l'enfant? Mais on élève nos enfants non pas pour les garder près de soi, mais pour les rendre autonomes. Dans leur autonomie, ils ont le choix aussi d'aller voir les personnes qui leur convient pour se livrer, pour poser des questions. Donc, notre rôle de parent, c'est de lâcher prise, de se dire que ils vont pas rester bébés toute leur vie. Hein. Ils ont besoin d'aller voir ailleurs. Et heureusement, parce que c'est hormonal aussi. Hein. Quand on s'entend plus avec son ado, c'est aussi hormonal parce que l'enfant, il a besoin de devenir une personne à part entière, de se détacher de son cercle familial. Donc, c'est normal qu'il puisse, qu'il nous écoute pas nous. Et puis, la même réponse que nous, on aurait dit, il va l'écouter chez quelqu'un d'autre parce qu'il y a ce besoin d'aller chercher ailleurs. Alors moi, l'explication que j'aime bien donner, c'est que lorsque l'enfant est vraiment en bas âge, je me dirais si vous êtes d'accord avec moi, lorsque l'enfant est en bas âge, en fait, il a envie de copier tout le monde. Donc, il est d'accord avec tout le monde. On lui dit de faire quelque chose, il le fait. Mais au bout d'un moment, il commence à se demander, ai-je vraiment envie de le faire ou suis-je simplement en train de me contenter d'obéir aux autres? Du coup, parfois, l'enfant dit non. Non pas pour nous contredire, mais simplement, il nous demande une pause pour qu'il puisse identifier s'il a vraiment envie de le faire et quelle est la vraie réponse qu'il aimerait donner. Et parfois, en fait, on refuse tellement ce non parce qu'on sent de la désobéissance. C'est pour ça que je parlais d'éducation tiaise, parce qu'on a une approche particulière du non, du refus. Comment accepter qu'un enfant, en fait, ne soit pas d'accord avec nous ou qu'il n'ait pas envie de faire ce qu'on a envie qu'il fasse? Alors, moi, je trouve ça génial parce que ça ouvre à la discussion, au contraire. Ce qu'on veut, c'est que notre enfant s'affirme et pas que notre enfant soit un béni oui-oui, excusez-moi de l'expression, mais c'est vrai. Donc, bien entendu, il faut qu'on reste dans le respect et dans le respect de soi et de l'autre, mais également dans un cadre sécuritaire. Mais il faut que nos enfants apprennent à s'affirmer. Parce que s'ils ne le font pas avec nous, ils vont demain écouter ce que n'importe qui peut leur dire parce qu'ils vont aller chercher d'autres choses chez n'importe qui. Donc, c'est important de s'affirmer, c'est important d'aller vers cette autonomie. Maintenant, moi, j'ai envie de dire aux parents aussi qu'il faut qu'ils apprennent à se pardonner. Parce que quand notre enfant n'a pas envie de nous parler, on se dit « Oh là là, c'est moi qui ai mal fait les choses, je suis un mauvais parent, mon enfant ne veut pas me parler. » Non, c'est pas ça. C'est que notre enfant a des fois… d'autres affinités et il a besoin d'ouvrir ses ailes encore une fois et de voir autre chose, d'aller chercher des informations ailleurs, d'aller chercher d'autres façons de réfléchir aussi. Et il faut que le parent soit à l'aise avec ça, il faut que le parent accepte ça. Maintenant, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette communication avec son enfant et de lui dire « Ok, je sens que là, tu n'as pas forcément envie de me parler, je sens peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu n'as pas envie de m'en parler, à qui est-ce que tu aimerais en parler ?» et le laisser faire, en toute confiance en fait, le laisser faire, en lui disant « Par contre, ma porte est toujours ouverte, si tu as envie de venir vers moi, si tu as envie de m'en parler, je suis là et je serai là pour t'écouter. » Et attention aussi, quand on nous confie des choses, que ce soit des enfants ou des adultes, à ne pas juger. Parce que c'est vrai que si notre enfant nous dit « Tu sais, maman, un tel m'a fait ça » et que tu commences à lui dire « Quoi ? Tu parles avec un tel ?» ou des choses comme ça, l'enfant, c'est clair, il va plus jamais venir nous parler. Et on s'en rend pas forcément compte. Des fois, on est systématiquement dans le jugement, on interprète, on laisse même pas l'enfant finir sa phrase, qu'on a déjà sacrifié tout ce qu'il avait envie de dire. Et là, il se dit « Non, moi, je vais plus rien dire parce que non, je suis pas bien acceptée. » Donc, il faut qu'on fasse attention à tout ça. Si on écoute vraiment avec bienveillance. On peut avoir notre avis, mais on se le garde.
te demande pas un avis, on te demande d'écouter. Donc, il faut aussi faire la part des choses. Alors, bien entendu, si ton enfant te dit qu'il va aller faire quelque chose où il sera pas en sécurité, où il mettra quelqu'un d'autre, où il sera en danger, où il va mettre quelqu'un en danger, bien entendu, il faut remettre le cadre, hein, on est bien d'accord. Il y a des limites. Mais, apprenons à écouter vraiment. Et pas à juger systématiquement et à couper la parole, comme je vois très souvent qu'on le fait. C'est pas ça, écouter. Et donc, forcément, l'enfant ne voudra pas nous parler, quoi. C'est vrai qu'on a tendance à partir sur, en fait, sur l'exception. On n'est pas tout le temps pressé, on n'est pas tout le temps dans l'urgence ou dans le danger. Et pourtant, on a souvent tendance, par exemple, lorsque, par exemple, moi, je tiens ce genre de discours, les retours que j'ai, c'est « Oui, mais parfois, on n'a pas le temps, on n'a pas ci, on n'a pas ça. » Mais ça, ce sont des exceptions. La règle ou l'attitude dominante, effectivement, ce serait plutôt intéressant d'écouter. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, et c'est pour ça que personnellement, le message que j'ai, c'est que la seule personne qu'on peut vraiment changer, c'est soi-même. Parce que souvent, on est beaucoup plus préoccupé par le discours qu'on a dans notre tête que par ce qui se passe vraiment. On n'arrive pas à se connecter à l'autre ou se connecter à la situation parce qu'il y a un discours dans notre tête, il y a une bobine qui est en train de tourner dans notre tête qui nous fait penser qu'on est obligé d'être en colère dans cette situation-là. Ah, ça, c'est pas normal d'entendre ça. C'est pas normal que l'enfant dise ça ou dise ça. Et c'est pour cela que, personnellement, je le répète, la seule personne qu'on peut changer, c'est soi-même. Et lorsque, par exemple, je pense que c'est le cas chez Bulle d'Éveil, lorsqu'on parle de relaxation, etc., c'est pour ça que les parents ont aussi leur part de boulot, entre guillemets. Il y a une chose à faire soi-même parce qu'on a tendance, corrigez-moi si je me trompe, mais on a tendance à projeter des problèmes chez l'enfant et l'enfant, il n'en a pas du tout conscience, voire il ne les a pas. J'ai rencontré des parents qui me disaient « Mon enfant a un trouble de l'attention, il n'est pas concentré. Il n'arrive pas à se concentrer. » Alors, je leur demande, est-ce que parfois, votre enfant est tellement absorbé par la télé qu'il ne vous entend pas? Oui. Ah ben, il arrive à se concentrer. Il n'y a pas de problème. Le potentiel, il est là. Il y a un entraînement à effectuer. Il y a des choses à faire. Mais dire que l'enfant a ce problème-là et ne sait pas le faire, ça, c'est faux. Et parfois, effectivement, c'est la perception du parent qu'il faudrait modifier pour qu'il puisse comprendre qu'en fait, à la base, il n'y a pas de problème. Il y a effectivement des choses qu'on peut améliorer. Mais il n'y a pas un problème qui nécessite d'avoir des disputes, des conflits à la maison et de dire à l'enfant, tu as un problème, il faut que tu changes. Et c'est pour cela que la question que je posais au début, c'est comment vous faites pour présenter cela aux parents, à des parents qui tout de suite, je ne dirais pas jettent la pierre, mais tout de suite partent du principe que l'enfant a un problème, il faut qu'il change, il ne va pas réussir comme ça dans la vie. Il y a des discours qui vont parfois très loin, même dans le cadre de l'orientation professionnelle. Ne crois pas que tu pourras tout le temps continuer comme ça. Il y a des messages assez forts qui sont véhiculés. Donc, comment vous faites passer ce message que, d'abord, on peut déjà commencer à souffler, à pas prendre sur soi, mais à travailler sur soi et comprendre que le problème n'est pas si grave que ça. À la base, j'ai envie de dire, la vie est cool. Comment vous faites pour présenter cela aux parents qui, parfois, parlent de problèmes qui pensent être très durs dans le quotidien? Alors, en fait, au niveau de l'école, il y a beaucoup de parents qui sont catalogués. Voilà, ils arrivent pas avec leurs enfants, leur enfant a des problèmes, c'est pas bon, c'est pas ceci, c'est pas cela. Alors, par expérience, j'ai beaucoup d'enfants d'âge primaire. Les parents sont très anxieux parce qu'ils n'ont pas encore appris telle ou telle notion, c'est pas normal, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et en fin de compte, les parents ne se rendent pas compte que l'apprentissage, c'est depuis la maternelle jusqu'à 60, 70, 80, 90 ans, jusqu'à la fin de la vie, en fait. Y a beaucoup d'adultes qui changent professionnellement. Ils ont fait un cursus, moi j'en fais partie, hein. J'étais styliste à la base, maintenant je fais complètement différemment. Parce que la vie, elle évolue et qu'on a encore le temps d'apprendre des notions, d'apprendre des choses. Quand on voit le cursus de l'école, de l'éducation nationale, les notions, elles sont reprises chaque fois avec différentes notions supplémentaires, mais on revient à chaque fois sur les mêmes notions de base. Donc, il y a encore le temps d'y revenir, il y a encore le temps d'y travailler. Donc, si l'enfant, il n'est pas prêt à 5 ans à apprendre à lire, mais il a toute l'école primaire pour apprendre à lire, en fait. Il n'y a pas d'urgence. C'est pas grave s'il y a 6 ans, c'est pas acté. Il aura le temps plus tard. Et quand on passe le brevet en troisième, on veut que tout soit appris là, maintenant. Mais franchement, moi, aujourd'hui, j'ai 42 ans, j'apprends encore des choses avec mes enfants à l'école.
des notions, voilà, mes tables de multiplication, ma fille, elle était complètement angoissée parce qu'elle les avait pas apprises, elle est en CM2 et elle les connaît pas complètement. Moi, j'arrive derrière et je lui dis, tu sais, maman, au niveau des tables de multiplication, c'est pas encore ça, hein. Donc, t'as encore le temps, ma chérie. Même si ça va te poser quelques problèmes en mathématiques, ça va être plus difficile pour toi, mais tu vas y arriver. Tu as le temps encore d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre et tu apprendras jusqu'aujourd'hui. C'est la notion que je donne aux parents. N'arrêtez pas d'apprendre. Ne vous dites pas, l'école est terminée, c'est maintenant terminé, mon temps est fini. Non, on a encore toute notre vie pour revoir les choses qu'on n'avait pas avant. Et tu parlais des mathématiques, c'est la même chose. Il y a des enfants qui vont être hermétiques aux mathématiques. C'est pas parce qu'ils n'ont pas compris la notion, c'est parce qu'au niveau de leurs émotions, soit le parent, à l'école, les mathématiques, c'était la croix, je veux pas apprendre, j'en ai peur. Et donc, du coup, l'enfant, il va inconsciemment avoir peur des maths, donc il apprendra pas bien. Soit c'est l'enfant qui a eu une mauvaise expérience avec un professeur ou avec des copains et du coup, ça bloque. Donc, plutôt que de se dire, voilà, le problème, il vient de là, il faut lui donner des cours de soutien en maths parce que ça va pas, ben peut-être qu'il faut juste aller enlever ce blocage-là, aller chercher émotionnellement parlant qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit difficile. Et c'est tout un discours qu'on a avec les parents pour les désensibiliser à ce qu'on leur dit, en fait. Ton enfant est pas bon, ton enfant est ceci, ton enfant est cela, il y a des évaluations, c'était pas OK. Il y a des notes. Alors, les notes aussi, on est obligé de noter en tant que professeur, mais les notes, elles représentent pas les compétences de l'enfant au final. Donc, il faut faire la part des choses, quoi. Tout à fait. Redéfinir le terme de parent, ouais. J'aime bien le message de ne pas arrêter d'apprendre parce que on parlait de mimétisme plus tôt. Et effectivement, on n'apprend pas devant les enfants. On veut qu'ils apprennent, on leur dit d'apprendre, mais on leur montre pas comment nous on fait. Parce que nous-mêmes, on a tendance en fait à se dire, bon ben, je suis adulte, j'ai mon boulot, j'ai ma vie. Voilà, il y a même des parents qui disent, moi, je suis déjà à la fin de ma vie, tout est déjà là, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Du coup, en fait, quel comportement l'enfant peut-il reproduire s'il ne nous voit pas en train d'apprendre? Et je pense que c'est là l'intérêt des compétences chez entre Kidspreneur, là où l'intéressant d'avoir cette continuité avec le parent. Comment en fait, je vais partager déjà ma solution. Le conseil que je donne aux parents, c'est déjà de faire l'enfant travailler dans le salon. Pas tout seul dans la chambre, dans le salon, et lui montrer comment nous aussi on travaille devant lui. Ça peut être simplement lire un livre, faire notre comptabilité, même faire le repas, montrer des étapes de concentration, mais être ensemble dans la même pièce et pas simplement, entre guillemets, l'exclure de la maison en le mettant tout seul dans une pièce. Est-ce que chez entre Kidspreneur, il y a cette continuité dans les compétences entre les parents et l'enfant et ce mimétisme? Oui, complètement, parce que quand l'enfant est tout seul dans sa chambre à faire ses devoirs, c'est comme une punition en fait. Ça y est, je suis puni, je vais. Alors, sauf s'il a besoin de cet espace. Hein, encore une fois, attention. Hein. Mais chez Entre Kidspreneur, comment on fait? C'est qu'on dit que l'apprentissage c'est tout au long de la vie. Et l'apprentissage se fait par toutes les façons, toutes les expériences. Par exemple, un enfant va avoir des soucis en maths. OK, viens, on va faire un gâteau. On prend les ingrédients. Et maintenant, au lieu de faire un gâteau, je veux faire deux gâteaux et demi. Waouh! Alors là, c'est dur pour maman. Comment on fait ça? Comment on va multiplier? Il faut trois œufs. OK, comment on multiplie? Donc, en fait, nous, on utilise beaucoup les actes du quotidien pour apprendre des choses, apprendre toutes les compétences, parce que mine de rien, c'est la vie et c'est toutes les expériences de vie qui font que on va grandir. Donc on leur apprend à grandir, on apprend aussi aux parents à grandir en même temps, puisque ils travaillent en même temps avec l'enfant. Quand l'enfant va faire son projet, ben on demande aux parents d'écouter l'enfant. D'écouter vraiment, pas d'écouter en regardant la télé, en étant d'une oreille. Non, c'est de le challenger. C'est de challenger l'enfant. Ah ouais, mais pourquoi cette idée? Et comment tu voudrais faire ça? Et donc, en montrant à l'enfant l'intérêt, l'enfant va aller plus loin et va s'ouvrir encore plus. Donc, l'apprentissage, c'est tout au long de la vie. L'apprentissage, c'est dans tous les moments de la vie. Je vais en forêt, moi, je montre à mes enfants, tiens, d'après toi, c'est quoi cette feuille? Parce que maman ne sait pas non plus. Hein. Et surtout, ne pas montrer à l'enfant que les parents, ils savent tout. Et les enfants, ils savent. Ah, ça, c'est le truc, quoi. Moi, je sais tout. Et comme un professeur, je sais tout. Non, 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 au contraire. Eh ben, maman, comment, c'est quoi ça? Eh ben, je sais pas, ma chérie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, on va regarder, on va prendre une photo. Et puis, en arrivant à la maison, on va aller ouvrir le catalogue, le livre. On va regarder comment ça s'appelle.
Et ça, c'est apprendre. Il faut vraiment toujours rester dans cette curiosité intellectuelle. Et c'est ce que moi, j'enseigne le plus, c'est cette curiosité intellectuelle. C'est penser systématiquement à se dire, bah tiens, je ne sais pas ça. Mais au lieu de rester sur « je ne sais pas ça », comment je vais faire pour acquérir cette information et comment je la partage avec mon enfant ? Donc alors, voilà, il y a plein de choses à faire du quotidien, en fait. Alors, j'ai remarqué une chose dans le discours qu'on partage, c'est que, bon, en fait, on est en train de perdre de l'argent parce qu'on dit aux gens de lâcher prise, entre guillemets, de se relaxer, alors que, justement, c'est les problèmes qui entre guillemets, permettent aux parents de s'inscrire. Ils ont absolument besoin d'une solution tout de suite. Donc, ils sont prêts à payer tout et n'importe qui pour avoir une solution. Et nous, on leur dit, ben, commencez déjà par souffler un bon coup. Commencez déjà par être bien maintenant. Et quand vous serez, quand les émotions seront redescendues, là, on pourra commencer à parler. Je pense que c'est aussi un message de l'éducation bienveillante. Évitez de continuer la discussion lorsque les émotions ont pris le dessus. Parce que là, on se retrouve à dire des choses qu'on va regretter par la suite. Vaut mieux, en fait, être calme. Et effectivement, on a, c'est un peu à contre-courant de ce qu'on va dire. On est censé dire aux gens, si vous avez tel problème, vous avez raison, venez chez nous. Et nous, on leur dit non. Commencez déjà par vous rappeler lâchez prise. Là, vous êtes bien là, en fait. Et, alors, je rebondis sur ce que tu dis. Hein, lâcher prise, c'est pas facile. Ça s'apprend aussi. Alors, justement, moi, la question que je me suis souvent posée, c'est sur quoi faut-il vraiment lâcher prise ? Et effectivement, c'est souvent, en fait, déjà, une question que je pose aux parents, c'est en quoi c'est un problème ? Quel est dans votre raisonnement, qu'est-ce qui vous fait dire que cette situation-là est un problème ? Et lorsqu'on remonte, on remonte, on se rend compte que parfois, effectivement, c'est un blocage émotionnel. Comme par exemple, le fameux « je suis nul en maths ». Je le dis à tout le monde, ça veut pas dire grand-chose, « je suis nul en maths ». Même moi qui ai un diplôme en mathématiques, je suis plus nul que quelqu'un qui a un meilleur diplôme que moi. Et je suis meilleur que quelqu'un qui a un moins bon diplôme. Donc, dire de manière objective, je suis nul en maths, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce que je suis en train de dire, par contre, c'est que j'ai eu une expérience douloureuse avec les mathématiques dans mon passé. Ce qui me fait dire aujourd'hui, les mathématiques et moi, alors, ça fait deux, je me considère nul en maths. Et donc, lorsqu'on remonte, effectivement, on se rend compte qu'il y a eu un blocage, une expérience négative qui nous a influencé, un traumatisme. Et on a continué à s'identifier par rapport à cette expérience au lieu de la dépasser. Et je pense que même au niveau des parents, on fait cela. Comme on disait, le parent qui a des mauvaises notes en maths et dit carrément, écoute, c'est pas moi qui vais t'aider en maths, les maths, c'est ma bête noire, tu verras, toi-même, tu auras des difficultés. Et du coup, ça influence l'enfant. Et j'ai cette question, du coup, comment gérer l'échec ? On a dit que ne pas montrer à l'enfant qu'on sait tout. Justement, comment montrer à l'enfant qu'en fait, échouer, ce n'est pas grave, échouer fait partie du processus. Or déjà, quelle est votre définition, votre perception de l'échec ? Et comment, en fait, vous incluez ça dans votre travail pour que l'enfant n'ait plus peur d'échouer. Il n'y a pas d'échec, en fait, tout simplement. Et que des apprentissages. Dès qu'on a une expérience qui nous semble négative, il faut aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Il y a des gens qui font leurs études, qui font qui mettent... c'est mon exemple précis, hein, je me prends moi comme exemple. J'ai travaillé dur pour devenir styliste. J'ai sacrifié entre guillemets ma vie d'ado parce que je travaillais tard le soir, j'étais à fond dans mes affaires et ça me demandait beaucoup de temps. Et puis un jour, avec ma vie personnelle, j'ai décidé de devenir relaxologue. Alors j'aurais pu me dire, mes parents voient ça comme un échec puisque ils m'ont poussée dans une voie et ils ont aussi dépensé beaucoup d'argent pour moi, on va dire aussi, hein. Ils se sont investis pleinement, émotionnellement, physiquement, financièrement. Et puis, d'un seul coup, je fais autre chose. Mais en fait, ce n'est pas du tout un échec parce que ce que j'ai appris dans mon premier métier me sert maintenant dans mon deuxième métier. Et que chaque chose que j'ai vécue, entre guillemets, de négatif, m'apporte aujourd'hui en positif. Donc, un enfant qui ne sait pas trop ce qu'il veut, arriver en troisième, il ne sait pas s'orienter… il n'est pas bon en ceci, il n'est pas bon en cela, il ne sait pas ce qu'il veut faire, on le booste derrière, on lui dit « mais non, mais il faut que tu trouves un métier tout de suite, c'est maintenant ou jamais ». On le stresse en fait parce que nous derrière, on a eu notre expérience où on veut le mettre sur un piédestal parce que nous, on n'a pas réussi. Donc, il a en fait beaucoup de challenges sur les épaules, il ne sait plus vers où aller, il est complètement perdu. Alors que la seule chose, c'est de se dire « je lâche prise, en fait, il va faire ses expériences ». Je suis là pour le guider, je suis là pour lui donner les axes, les voies, le bousculer un petit peu quand il en a besoin,
Mais en vrai, il a besoin de se casser la figure peut-être plusieurs fois avant d'y arriver. Et ça, il faut lâcher prise vraiment à ça, en fait. Hein. Ces expériences sont toujours des expériences positives, quoi qu'on en pense. Alors, c'est vrai que la réaction émotionnelle qu'on a avec les expériences qu'on vit, c'est entre guillemets un gros problème chez les entrepreneurs. On peut se casser la figure plusieurs fois avant d'avoir un succès, ce qu'on appelle un succès. Et quelle est la vision chez Entrepreneur? Comment on inclut justement? Est-ce qu'on dit carrément il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages ou du moins des expériences et c'est nous qui donnons un sens émotionnel à ces expériences? Comment vous incluez en fait ces faux pas dans l'apprentissage, dans vos formations? Mais oui, nous aussi, on dit qu'il n'y a pas d'échec. Hein. Tout est apprentissage. Et c'est derrière cette expérience qui n'a pas été comme tu le voulais, parce que quand on dit un échec, c'est parce qu'on estime que, soit la société, soit nous, on aurait dû avoir tel résultat. Donc, c'est parce qu'on met tout sur le résultat. Si on n'a pas ce résultat-là, eh ben j'ai échoué. Maintenant, tu n'as pas eu ce résultat-là. Pourquoi? Analysons la situation. Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre, qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière ce que tu n'as pas réalisé de cette façon-là. Parce que des fois, on a un échec parce qu'on veut faire quelque chose d'une certaine façon et au final, on se rend compte que ben non, l'idée c'était peut-être plus de prendre cette tangente ou ce raccourci et de me mener là où je veux aller. Donc, en fait, clairement, il n'y a pas d'échec, mais comment tu fais pour rebondir quand il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme tu le voulais? Rebondir en te disant qu'est-ce que ça m'a appris et comment je pourrais faire autrement demain si la situation se reproduit. Parce que souvent, c'est ça, hein, la vie, une fois qu'on n'a pas compris la leçon, la vie nous ramène toujours au même endroit. Tant qu'on n'a pas compris la leçon. Donc, à un moment donné, il faut quand même la comprendre, cette leçon. Et se dire pourquoi j'arrive toujours à la même chose, pourquoi ça se répète. Donc, il faut en tirer les leçons. Donc, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas d'échec, mais que des apprentissages. Mais il faut encore avoir cette conscience de comprendre l'apprentissage qu'il y a derrière. Alors, c'est vrai qu'on disait plutôt que les parents ont tendance à montrer qu'ils savent tout, à jouer les « je sais tout ». Et justement, il y a cette faculté, enfin, ce personnage de « je sais tout » parfois empêche l'enfant d'aller faire ses propres recherches, donc ne l'entraîne pas à chercher par lui-même. Et pour faire le lien entre les deux discours, ce que j'ai remarqué, c'est que on ne sait pas comment présenter ce qu'on ressent aux enfants. On n'a pas tendance à leur dire, tu sais, là, je suis triste. Ou on va plutôt, je le vois par exemple, j'ai remarqué ça en m'intéressant à la communication non violente, on dit, tu m'énerves. Mais l'autre n'a pas forcément choisi d'avoir un comportement pour créer de la colère en nous. Mais c'est vrai qu'on a eu cette sensation, on a eu cette réaction émotionnelle, donc on ressent de la colère. Comment, en fait, en tant que parent, dissocier mon enfant a fait ça pour me mettre en colère et je suis en colère et j'aimerais partager à mon enfant la raison de cette émotion. Comment, en fait, chez Bulle d'éveil, comment on peut aider le parent à dissocier les deux et arrêter, en fait, de culpabiliser, de mettre la pression sur l'enfant et de lui dire « Tu dois avoir ce comportement-là pour me faire plaisir » et lui montrer que les émotions sont assez variées et libres. Ben, en fait, on apprend déjà à faire la part des choses, comme tu dis, entre mes émotions à moi et celles de mon enfant. L'enfant va quelquefois nous déverser pas mal de choses. Ce n'est pas contre nous, c'est juste qu'il a juste besoin de déverser les choses. Et il faut être en acceptation, en écoute attentive, sans jugement, comme tu disais tout à l'heure. On juge pas du tout le comportement de l'enfant, mais plutôt on va essayer de ressentir à l'intérieur de soi ce qui se passe. Si je vois mon enfant qui bouge dans tous les sens, qu'est-ce que ça fait résonner en moi, en fait? Est-ce que ça fait résonner en moi un échec que j'ai eu en tant que parent? J'arrive pas à le gérer, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? En fait, on est énervé, non pas à cause de l'enfant, mais à cause de ce qu'on a vécu nous, de ce qu'on pense de nous. Si on n'a pas confiance en nous, sur notre façon d'éduquer, on va réagir de façon énervée. Donc, en fait, le but, c'est de travailler sur comment on perçoit les émotions des autres et comment on perçoit nos propres émotions. Donc, c'est une écoute de soi qui va permettre d'évoluer sur ce champ-là et de ne pas être touché à chaque fois qu'on nous parle. Parce qu'on parle de nos enfants, mais on peut parler de tous les gens qui nous entourent. Hein. Notre boss qui nous dit « ton travail, là, c'est pas ce qu'il fallait faire, c'est pas bon ». Et nous, ça nous touche tellement parce qu'on a beaucoup travaillé dessus.
Et en fait, on est en échec parce que c'est pas du tout le résultat attendu. Ben oui, mais en fait, qu'est-ce qui a résonné? Est-ce que quand notre boss nous a dit c'est pas bon, est-ce que c'est pas la phrase qu'on entendait de notre papa avant, qui nous disait sans arrêt quand on était petit, c'est pas bon ce que tu fais? Donc voilà, c'est aller détecter en fait ce qui résonne en nous, ce qui fait miroir. Et nos enfants sont nos miroirs complets, c'est-à-dire que ils vont réagir pour nous faire réagir à ce que nous on a déjà vécu. Ça c'est quand on a compris ça, quand un parent a compris que le comportement de son enfant est là pour nous faire réagir, on va réagir maintenant d'une autre manière, de façon plus posée, plus calme, à l'aide aussi d'exercices que je donne bien sûr parce que c'est pas évident de faire ça tout seul. Moi-même, hein, je suis une maman qui a beaucoup réagi. Hein. Mon enfant était en échec à l'école. Voilà, on remet le mot échec. Mais en fait, c'était pas lui qui était en échec, c'était moi parce que je ne voyais pas comment l'aider. Donc moi, je m'énervais, je criais, je faisais tout ce qu'il fallait pas faire. Hein. Éducation à la bienveillance, j'y étais pas du tout. Donc je comprends totalement les parents qui sont complètement démunis et qui savent pas comment réagir. Ils n'ont que leurs émotions sous les yeux et ils savent pas quoi faire avec. Donc, quand on a appris à gérer ça, à se poser, à écouter sans être, sans s'inclure dans cette émotion, on arrive à être plus zen, on va dire. Il y a moi-même une phrase que j'ai déjà entendue plusieurs fois, c'est « Ah oui, mais moi, quand j'avais son âge, je ne pouvais pas faire ci, je ne pouvais pas faire ça. » Et j'ai rencontré justement des parents qui punissaient leur enfant, non pas par rapport à ce que l'enfant a fait, mais par rapport au fait que lorsque eux, ils avaient l'âge de l'enfant, ils n'avaient pas la liberté de faire cela. Donc, c'est comme s'ils les punissaient parce que eux, ils étaient punis. Et non parce qu'ils avaient envie ou ça les blessait. Et effectivement, c'est toujours le rapport à soi. Quel est d'où vient en fait ce trigger, ce déclencheur? D'où vient la réaction émotionnelle qu'on a à ce moment précis? Et on revient toujours à notre propre enfance. Et j'ai remarqué aussi, puisque le but, par exemple, de ce live, de la Success Week et du Caribe, c'est toujours d'améliorer notre vision d'éducation. Et ce que j'aime rappeler aux parents, surtout aux bons parents, c'est que la seule éducation qu'on peut partager, c'est celle qu'on connaît. Donc, si on ne s'intéresse pas au sujet, si on ne creuse pas, si on ne se soigne pas, entre guillemets, lorsqu'on parle d'ailleurs de l'enfant intérieur, de l'enfant qui reste en nous, qui est toujours blessé, qui continue de réagir aux mêmes choses, si on ne fait pas cette thérapie, ben, la seule éducation qu'on pourra partager, c'est celle qu'on a reçue, parce que c'est celle-là qu'on connaît. Et on a tendance à idéaliser, à se dire « Ah, mais moi, je ferais autrement avec mes enfants ». Sauf que ben, les réactions, elles sont là, elles sont toujours dans notre subconscient. C'est naturel pour nous de nous énerver, de crier à certains moments, et c'est la seule chance qu'on connaît. Et c'est vrai que arrêter d'idéaliser, par exemple, la fonction de bon parent, il y a une phrase que j'aime bien répéter, c'est que même les mauvais parents sont persuadés d'être de bons parents. Donc la notion de bon parent, mauvais parent, c'est quelque chose de très flou. C'est pas quelque chose qu'on peut. Il n'y a pas de barème dans l'univers pour dire ça, c'est. Là, tu as les points, tu es un bon parent. Là, tu n'as pas les points, tu es un mauvais parent. C'est quelque chose d'assez flou. Et c'est bien de commencer déjà par soi-même et de comprendre qu'est-ce qui nous gêne en nous avant de chercher qu'est-ce qui nous gêne chez l'enfant. Et c'est vrai que même nous, j'ai envie de dire personnellement, parce que on est là dans ce live, c'est qu'on a une certaine fibre entrepreneuriale, on peut voir effectivement qu'avec tous les humains qu'on rencontre, les êtres humains qu'on rencontre, ben, on a à chaque fois des rapports, parfois des conflits, on a une façon de percevoir les choses qui nous rappelle toujours à notre enfance déjà, mais aussi au sens qu'on donne aux choses. Quelle est la tâche émotionnelle qu'on a par rapport à cela? Et je pense qu'on pourrait même conclure sur ça, mais comment gérer en fait notre rapport déjà avec notre propre passé? Comment gérer cela? J'ai envie de dire, comment réussir à s'éduquer soi-même tout en éduquant l'enfant en même temps? Puisque être parent, c'est pas du différé, c'est en direct. L'émission, elle est en direct. L'enfant, il est là devant nous et il attend qu'on lui parle. Mais en même temps, il y a ce différé à opérer, c'est ce soin à faire sur soi-même, ce travail à faire sur soi-même. Est-ce que vous avez des astuces pour les parents qui voudraient faire ce travail, mais ils ne savent pas forcément comment faire, comment commencer à la maison, avant peut-être de vous contacter pour passer soit par Éducaribe ou par vous individuellement? Moi, je pense que la première chose, c'est que déjà, il faut que les parents se disent qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Chacun de nous fait du mieux qu'il peut au moment où il fait.
Donc, il faut vraiment déculpabiliser par rapport à ça. On fait du mieux qu'on peut. Maintenant, pour moi, avoir un enfant, avoir des enfants, c'est l'idéal pour travailler sur soi. Parce que l'autre est notre miroir, en fait. L'autre est notre miroir. Donc, il va systématiquement aller chercher les blessures qu'on a pour nous permettre à nous de les guérir, en fait. Et une fois qu'on a compris ça, on se dit, OK, là, quelle est la perception que j'ai de l'événement que mon enfant est en train de vivre? Mon enfant est en train de crier, pourquoi est-ce que ça va m'énerver? Quelle est la perception que je donne à cette situation précise au moment où je le fais maintenant? Donc, c'est apprendre à identifier ses propres émotions à ce moment-là et identifier les émotions de son enfant. Moi, je le fais souvent avec mon enfant en lui disant, bon, comment tu te sens là maintenant? Parce que ça m'arrive, hein, bien sûr, dans toute ma bienveillance, je suis une professionnelle de l'éducation, bien sûr, ça m'arrive de crier, je ne suis pas Miss Parfaite et ce n'est pas mon objectif d'être Miss Parfaite. Par contre, je veux tendre à m'améliorer de plus en plus. Et je remercie mon enfant pour ça parce que moi, j'ai cette présence d'esprit de lui dire, écoute, tu sais, la maman a crié, mais ce n'était pas contre toi, c'est parce que maman était fatiguée, que maman avait juste envie de souffler et je m'excuse d'avoir crié parce que ce n'était pas la bonne attitude. Et quand on sait faire cet exercice-là, l'enfant va comprendre que on n'est pas parfait. On peut par moment effectivement sortir un peu de ses gonds ou avoir une mauvaise perception ou un mauvais comportement, mais il faut savoir l'identifier pour pouvoir s'améliorer demain. Donc moi, en tout cas, pour moi, avoir des enfants, c'est le best pour pouvoir s'améliorer, vraiment. Et chez Bulle d'Éveil, quelles astuces vous pourriez partager aux parents pour qu'ils puissent commencer ce travail? C'est tout à fait ça, en fait. Hein, c'est de voir à travers nos enfants quels sont les domaines qui nous poussent à être travaillés. Hein. Tout ce qui réagit face à nos enfants, c'est des choses qu'on doit soulager, des blessures qu'on doit penser, on va dire. Et en fait, c'est toujours effectivement avoir cette discussion avec notre enfant. Tu sais, moi, je suis devenue maman et j'apprends encore à être maman, à être parent. Je l'apprends aussi avec toi. Donc, c'est un travail qu'on fait à deux. Quelquefois, on va s'entendre, quelquefois, on va pas s'entendre. Moi, effectivement, j'ai plus d'expérience que toi dans la vie, mais ça veut pas dire que toi, tu ne peux pas m'apprendre deux choses. Il faut qu'on discute le plus possible, qu'on soit tous présents l'un envers l'autre. Et surtout, accepter ses erreurs. Tu dis, aujourd'hui j'ai crié, aujourd'hui j'ai tapé du poing, aujourd'hui je t'ai frappé, parce que ça arrive, hein, y a des parents qui frappent leurs enfants et, ou qui en ont l'envie. Quand on a eu une enfance difficile, c'est le seul moyen qu'on a pour réagir, en fait. Et c'est pas forcément le bon moyen. Alors, plutôt que de réagir avec violence et de pas le dire à son enfant, de pas s'excuser, de pas se dire c'est le seul outil que j'ai, j'essaie encore d'apprendre à faire différemment, pardonne-moi, on va faire en sorte ensemble que ça fonctionne mieux. Plus vous allez travailler ça depuis l'enfance, depuis la petite enfance, et plus ce sera facile quand ils vont devenir ados, quand ils seront adultes aussi, parce qu'on se frite avec ces enfants adultes, hein, c'est vrai. Hein. C'est vrai, c'est vrai. On n'est jamais d'accord, parents et enfants. On n'est jamais d'accord. On a deux façons de voir de différentes. Et plus l'enfant va grandir et plus il va comprendre certaines choses, il faut avoir cette humilité de savoir que l'enfant, il est en apprentissage et il pourra comprendre certaines notions que plus tard. Donc, on est juste là pour leur donner la voix. Être dans l'acceptation des réactions qu'ils vont avoir par rapport à nous et nous des réactions par rapport à eux. Donc, lâcher prise face à ça, toujours garder les limites qu'on a posées au départ, les faire évoluer, ces limites, parce qu'elles ne seront pas les mêmes chez un petit que chez un plus grand, que chez un adulte aussi. Discuter de ces limites, pourquoi on les a posées là et pourquoi on peut les faire bouger un peu de temps en temps et pourquoi celles-ci, elles ne bougent pas du tout. Être vraiment dans la compréhension de ce qu'on fait, de ce qu'on impose ou de ce qu'on n'impose pas. La discussion. Alors, c'est vrai que pour même en fait présenter, j'ai envie de dire, l'idée derrière cela, puisque on a tendance à penser que Éducarib, c'est uniquement pour les enfants, par exemple. C'est, ou même
entre kidspreneur, ben, il y a le mot kids, donc on a l'impression que c'est pour les enfants. Bulle d'éveil, lorsqu'on parle de relaxation, même de concentration pour les enfants, on a l'impression que c'est réservé aux enfants. Alors que le message, j'ai envie de dire, qu'il y a derrière tous nos discours, à travers tout le live, c'est qu'on ne peut pas isoler l'enfant. Il y a un environnement, il y a plusieurs personnes qui entrent en jeu, il y a des discours qui sont répétés, il y a des réactions au quotidien, en permanence. Comme je disais, c'est une émission en direct, toutes les choses se font en direct, donc c'est vraiment la famille à prendre en compte. Et je partageais déjà mon opinion personnelle. Moi, j'apprécie de travailler avec Éducaribe et même à travers la Success Week, parce qu'on ne se contente pas de, par exemple, moi, j'ai évolué des cours de maths à productivité, parce qu'on se rend compte que il y a déjà des discours sous les cours de maths. On répète déjà des choses à l'école. Mais il y a des choses que les enfants n'entendent pas. Il y a des choses que les parents ne connaissent pas ou n'ont pas l'habitude d'entendre ou même de répéter. Et donc, il est intéressant de porter un projecteur, de diriger un projecteur vers ces choses, les soft skills, les compétences de vie, les compétences entrepreneuriales, les méthodes de relaxation, la respiration, la méthode 3C dans sa globalité. Il y a des choses qui ne sont pas forcément présentes tous les jours. Il y a même une écrit qui parle de la culture, qui parle du créole, la biodiversité. Il y a des choses, on n'a pas le temps de tout faire tous les jours. Il y a seulement 24 heures. Donc, c'est important d'arrêter de culpabiliser. Et nous, à travers Éducaribe et la Success Week, on a envie de montrer toutes ces phases. Par exemple, aujourd'hui, il y avait en parallèle un live sur la motivation pour les adolescents. On passe par des outils qui parlent aux nouvelles générations, Discord, Instagram, YouTube, sont des choses qui parlent. Mais c'est bien aussi d'inclure les parents pour qu'ils n'aient pas l'impression que la société va prendre en charge l'enfant. Et eux, je me rappelle, excusez-moi l'anecdote, mais je me rappelle d'une mère qui m'avait dit « Bon, ben, je vous laisse vous occuper de l'école, moi je m'occupe de la partie loisirs. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des réactions tout le temps. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est rendre compte que ben, être parent, c'est aussi une expérience. La famille vit son expérience, l'enfant vit ses expériences. Et c'est important d'avoir ce recul, de lâcher prise à certains moments, de poser des limites à certains moments, mais surtout de se rappeler que tout cela, ça reste une expérience globale et arrêter de vouloir forcément isoler chaque information, chaque personne pour chercher des solutions à ses problèmes spécifiques. Donc, c'est vrai qu'on a bien parlé aujourd'hui et j'aimerais, si possible, que ben, là, je vous ai demandé des conseils que vous pouvez partager aux parents, mais déjà, comment pourrez-vous vous retrouver? Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Entre Kidspreneur, on a parlé des podcasts. Qu'est-ce qu'on doit chercher? Présente sur Instagram et sur Facebook. Donc, on peut me retrouver entre Kidspreneur très facilement. Je fais également des fois des conférences. Donc, il faut suivre en fait mes actualités sur Instagram puisque je fais également des conférences. Beaucoup, comme vous le disiez, hein, tourner vers le parent pour lui donner des tips, pour l'accompagner, parce que des fois, ils sont un peu démunis, ils ne savent pas par quel bout prendre les choses. Parce que effectivement, les outils que je propose sont pour l'enfant, le jeune, mais j'inclus le parent parce que toute seule, je ne peux rien faire. Et comme vous le disiez, c'est un ensemble. On a un but commun, c'est l'épanouissement des enfants qui est la future génération de demain. Les adultes de demain sont nos enfants d'aujourd'hui. Donc, il faut vraiment qu'on les prépare à s'épanouir et à être demain encore meilleurs que nous, on l'est aujourd'hui. Okay. Et chez Bulle d'éveil, est-ce que vous êtes présent sur les nouveaux outils, toutes les applications à la mode? Alors, ça commence à venir, justement. Alors, moi, je suis très dans le physique. Hein. J'aime beaucoup être au contact des gens. Et c'est vrai qu'avec le Covid, ben, ça nous force un petit peu à aller chercher les gens chez eux directement parce que c'est pas évident. Donc, il va se mettre en place des formations en ligne très prochainement. Donc, il y a Bulle d'éveil, mais il y a aussi Magic Woman, magicwoman.com, où là, on va travailler plus sur la puberté, sur les techniques de relaxation, de détente. On appelle Magic Relax d'ailleurs. Et où là, en fait, c'est un mélange de toutes les connaissances que j'ai et les connaissances aussi de Marine Wagner, qui est sage-femme et qui est beaucoup au contact des ados aussi. Et donc là, on est en train de concocter un programme d'ensemble à destination des parents, mais aussi à destination des jeunes pour leur permettre d'évoluer de façon plus agréable, on va dire, en famille.
Alors, si je peux leur rappeler à toutes les personnes qui nous regardent, c'est que notre but, déjà avec Éducaribe, c'est de réunir les ressources, réunir les acteurs, que ce soit à travers un live ou à travers des formations, des ateliers qu'on tiendra sur la plateforme, donc sur le site. Il y a la petite bannière qui apparaît. Mais il y a aussi le message que personnellement j'aime faire passer, c'est que les solutions sont déjà là. Il y a déjà des gens qui répondent aux questions qu'on se pose. Après, la formulation est différente. Moi, c'est à travers la productivité et peut-être même un peu le développement personnel. Chez Bulle d'éveil, on va plutôt utiliser, du coup, ben, j'ai envie de dire, Marie Wagner, qui est sage-femme, elle a une certaine approche particulière. Elle a, à travers son expérience professionnelle, elle a une façon de parler. Chez Entrekidspreneur, il y aura cette fibre entrepreneuriale, cette notion de compétence. On aura chacun une approche différente. Mais le plus important, c'est que le fond est le même. Les réponses sont déjà là. C'est à nous d'aller les chercher. Donc, pour toutes les personnes qui nous regardent, vraiment, profitez de la Success Week déjà pour poser des questions, vous abonner à de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux, pas forcément vos amis, pas forcément les stars. Connectez-vous aux personnes qui font les choses et des choses qui vous intéressent. Posez les questions durant la Success Week. Allez sur le site de Éducaribe et même nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc., même LinkedIn, pour avoir connaissance de cela. Et profitez-en. Profitez-en au maximum. Même pour les parents que les enfants, je pense que c'est aussi le message que vous avez. Profitez de votre vie pour vivre des expériences, vous enrichir et j'ai envie de dire être de plus en plus zen, être de plus en plus heureux, épanoui, avant de chercher à, j'ai envie de dire, payer un prof de maths pour avoir de meilleures notes en maths. La base, c'est toujours, j'ai envie de dire, l'épanouissement individuel et collectif. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cela. L'épanouissement personnel et collectif. Et c'est à nous d'aller chercher des solutions parce qu'elles sont déjà là. D'accord. Alors, est-ce que, Jackie, de ton côté, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de, forcément de ton expérience personnelle, mais je sais que tu travailles avec l'éducation nationale également. Est-ce que tout ce qui a été dit fait écho de ton côté? Beaucoup, parce que en fait, je rencontre beaucoup de familles, surtout les parents qui sont en détresse. Et c'est vrai que s'il y avait ces genres d'outils pour accompagner les parents, ça pourrait aussi aider leurs enfants dans la réussite scolaire, tout simplement. Que ça soit par les notes, que ça soit par l'épanouissement, qu'est-ce qu'on met derrière réussite scolaire aussi, ça c'est autre chose, mais voilà. Ça aurait été bien des outils à mettre en place, oui. Super. Alors, mon message de fin, c'est vraiment profitez-en. Je vous laisse l'opportunité aussi de partager votre message personnel ou peut-être une dernière fois vos réseaux sociaux. Je vous remercie à chacun pour votre présence, aussi bien les intervenants que les personnes qui nous ont bombardé. Nous ont écrit, super intéressantes. Voilà, c'est des choses qui ont permis de faire évoluer la discussion. Merci vraiment pour votre présence. Je pense que également, on peut tous être d'accord sur ça. Ça fait du bien de voir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à cela. Il y a des personnes qui veulent en savoir plus, qui nous donnent envie de nous casser la tête pour leur apporter des réponses, des solutions, parce qu'on a envie d'aider. Je pense qu'on est tous là pour aider. Et donc, encore une fois, toutes les personnes qui nous regardent, profitez de tout cela. Et j'ai juste terminé. N'oubliez pas de rejoindre Éducaribe, donc la prépa, donc prepa.educaribe.co. Et aussi de nous joindre aussi sur IG Live demain pour notre prochain live. Expose ton problème et je te réponds en 10 minutes max. Donc, la solitude continue. Et donc, en espérant de vous voir demain après-midi. Merci à tout le monde pour votre présence. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain sur Instagram. Merci.